Eh bien, bonjour à tous. Nous allons avoir le plaisir d'entendre et de recevoir, hein, bien sûr, Stéphane Sobkowiak, qui est québécois. Donc, je pense que les dernières places vont être occupées, puis ensuite on va fermer les portes. C'est assez rare que notre bâtiment agricole reconditionné en salle de conférence soit aussi pleine, mais ça fait plaisir. Merci à tous d'être parmi nous. Donc j'ai eu le bonheur de rencontrer Stéphane, tout d'abord par Internet interposé, puis par téléphone, et ensuite celui d'être invité au Québec à l'occasion de la sortie d'un ouvrage que j'ai sorti donc, cette année, au mois d'avril, et qui m'avait donné l'occasion de rencontrer Stéphane, par téléphone d'abord. Et donc j'ai pu visiter son verger et être vraiment... Étonné, enthousiaste par ce qu'il fait, par ses connaissances sur la diversité, l'aide que peuvent nous apporter la diversité en matière d'entretien de verger. Et pour la petite histoire, quand j'ai su, et je l'ai su à travers le film qu'il a sorti et que nous avons en vente ici au stand de librairie, qu'il avait sur ses 5 hectares, et il va vous en parler, 150 nichoirs, en me précisant que c'était vraiment trop peu et qu'il en fallait 300, j'en ai immédiatement commandé 100 pour nos 12 hectares. Et donc pendant la période où j'étais chez Stéphane, la personne qui nous fabrique les nichoirs nous en a installé 50, et la semaine dernière, vite, avant que vous arriviez, on en a mis 70 de plus. Donc on attend les oiseaux maintenant. Écoutez, je vais vous laisser en présence de Stéphane et puis et bien voilà, je vous souhaite une bonne après-midi en sa compagnie. Merci Stéphane. Merci. En passant, ceux qui n'ont pas vu son livre, là, ça vaut vraiment la peine. La biodiversité, les autres aussi, mais la biodiversité, c'est vraiment le summum d'une vie de travail. Avant de commencer, j'ai vu quand on est arrivé, il y en avait qui est arrivé, un vieux dicton, je ne sais pas si c'est rendu ici en France aussi. J'espère que vous, s'il y en a qui ne comprennent pas mes expressions, s'il vous plaît, faites-moi signe, je vais essayer de les répéter en français. Et donc, la tête ne peut pas absorber plus que les fesses peuvent endurer. Et il y en a qui commencent à avoir les fesses engourdies, donc levez-vous, 20 secondes, et juste dégourdir, s'il vous plaît, tout le monde. Surtout ceux en avant, parce que je sais qu'il y en a qui sont arrivés tôt. Allez-y, n'ayez pas peur. Je pensais que les Français étaient animés, alors soyez animés. C'était pas pareil en Suisse. Les Suisses, c'est beaucoup plus sérieux. S'il y en a qui sont Suisses, vous comprenez. J'espère que vous allez voir quelque chose. Premièrement, je ne suis pas ici pour changer votre façon de produire. Est-ce qu'il y en a qui sont agriculteurs ici? Quelques agriculteurs. Amateurs de fruitiers? Un peu plus, pas mal plus. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'il y en a qui n'ont aucun terrain, mais juste le désir un jour de faire quelque chose avec des arbres? Oui, il y en a toujours quelques-uns. Alors, ce que je vais essayer de vous faire voir, c'est le système ou le modèle du verger permaculturel. C'est pas nouveau. Non, je dis que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau à travers le monde. Et c'est curieux, quand j'ai vu les choses qu'Evelyne faisait, j'ai dit, quand c'est logique, c'est pas juste logique au Québec, c'est logique. Alors, on arrive à des mêmes conclusions que c'est comme ça qu'on devrait faire, même si c'est pas comme ça qu'on le fait présentement. Je veux vraiment remercier, on est en tournée à travers la France et la Suisse, et donc on s'en retourne vers... Nancy, vous appelez?
S'il y en a qui voudraient travailler dans un lieu qui est inspirant, est-ce que vous m'entendez bien à l'arrière? Oui. Inspirant, c'est vraiment le mot que j'entends le plus souvent quand les gens viennent visiter, quand ils voient. C'est très inspirant. S'il y en a qui veulent sauver des années d'essais d'erreurs, j'en ai fait des années d'essais-erreurs, plus d'erreurs que d'essais. Bilan encore négatif, 60 000 $ en termes des essais et des erreurs. Mais je voudrais vous en sauver quelques-uns de ceux-là si vous voulez faire un peu quelque chose de cette façon-là. Tout ça avec moins de travail, plus de rendement et plus de plaisir. Qui ici prend plaisir à ce qu'ils font? Oh, mais je vois pas c'est 60%. C'est assez révélateur quand... Regardez comment vous vous réveillez le matin. Est-ce que c'est... excellent, une nouvelle journée. J'avoue que pour les quelques agriculteurs, il n'y en a pas que j'ai jamais rencontré. J'ai jamais rencontré un agriculteur qui se réveille. Ah! Je vais aller pulvériser 10 hectares avec 2000 litres de bouillie à matin. C'est pas ce qui inspire les gens à se réveiller le matin. Ils le font parce qu'ils sentent un besoin, mais j'ai jamais rencontré un agriculteur qui veut faire ça. Ils le font parce que le marché, le modèle le demande. Mais je veux vous montrer qu'il y a quand même un modèle qui s'en va dans une direction où, je ne dis pas qu'on n'en fera plus jamais, ou on n'en fait pas du tout, mais que ça va devenir graduellement une chose du passé. Et le modèle avec lequel ça peut être rentable dès la première année, ça c'est un gros défi que nous, on n'a pas réussi, on n'a pas fait parce qu'on ne réalisait pas comment le faire, mais avec des légumes et des animaux, il y a manière de le faire. Et tout ça pendant que vous grandissez. Parce que c'est un voyage. Alors pendant le voyage, vous allez arriver à des moments difficiles, des moments merveilleux, donc vous allez grandir en patience, en joie, en paix. La patience, ça, je vous le garantis. Vous allez avoir besoin de beaucoup de patience. Est-ce que c'est utopique? C'est pas mal utopique. Est-ce que c'est irréaliste? Non. Mais juste vous réveiller un peu. Avoir des journées où, hop, on arrive le matin et on voit plein de carcasses et des plumes et des restants de dinde. Ça, c'est pas aussi intéressant. Mais il y a des journées comme ça. Donc, c'est beau, mais il y a des moments que c'est moins beau. Hop! Deux semaines après, d'arriver, de trouver que c'est un wison qui est passé et a mangé presque toutes nos poules pondeuses. Ah. Mais il y a quand même vraiment des belles journées. Et j'avoue, quand j'étais en Suisse, ici, c'est pas si mal non plus. La vue chez nous, ça, c'est à peu près la meilleure vue qu'on a de la ferme. Vers l'extérieur, sinon c'est des champs de maïs tout autour. Mais il y a des journées aussi qui sont pas trop merveilleuses. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? C'est pas de la neige, là. Qui en a déjà reçu chez eux? Oh, juste un peu. Oh, vous êtes vraiment pas dans une zone agraire, ici. Alors, étant donné qu'on a eu ça, c'est une question d'attitude. Qu'est-ce qu'on va faire? On commence à entendre ça. C'est quoi? Je pensais qu'il y avait quelque chose qui courait sur le toit. Et là, on a regardé dehors, on voyait ça rebondir. Boum, 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 boum. Ça a duré une trentaine de secondes. Après 30 secondes, j'ai dit, bon, la vie nous donne de la glace. On va aller en ramasser, on va faire un gros pichet de thé glacé. Une attitude, qu'il n'y a rien qui arrive par hasard. Heureusement, c'était aussi l'année qu'on a eu un gros gel printanier de moins 8. Vous connaissez ça, des gels printaniers de moins 8? Non, pas trop souvent. Ça a tué toutes les fleurs. On n'a eu aucune récolte. Donc, on n'avait pas de récolte et c'était l'année qu'on a eu la grêle.
la première grêle en 20 ans. Donc, c'était pas si drastique que ça, même si c'était assez bon l'été. Il y a des grandes joies d'avoir des fruits, une abondance, une diversité, c'est toujours plaisant. Et il y a des grandes peines. Donc, d'arriver au printemps, il faut comprendre que nous, au Québec, on a un petit peu de neige l'hiver. Et tout l'hiver, tout semblait bien beau parce qu'on voyait le dessus des petits arbres. Et tout semblait beau. La neige était blanche, les tiges étaient brunes, et tout est merveilleux. Et rendu le mois de mars, nous, la neige commence à fondre au mois de mars. Au mois de mars, quand ça commençait à baisser, j'ai dit, « Oh, oh! » Deux jours après, « Oh, oh! » Et une semaine après, c'était, « Oh, shit! » Excusez, c'était le désastre. Alors, sur 1200 arbres, il nous restait 99 qui n'avaient pas été mangés jusqu'en dessous de la greffe. Donc, c'est des choses qui arrivent. Pour vous situer un petit peu, ça, c'est le tiers sud du Québec. Alors, j'ai vu que les distances en France, c'est, pour nous, c'est pas une grosse chose parce que c'était pas énorme. Voyager d'un bout à l'autre de la France, ça se fait dans une journée. J'ai dit, ah ben, c'est un bout à l'autre du pays. Nous, pour passer de l'ouest, au moins cette partie-là, est, c'est deux jours de route. Et on est encore au Québec. Il y a 9 autres provinces à aller voir. Alors, le Canada, c'est grand. Le Québec, c'est grand. Et nous, on est dans... J'ai vu des bananiers en m'en venant. Il y en a qui font des bananes. Nous, on est dans la zone banane. On dit ça de même. C'est pas parce qu'on peut faire des bananes, mais c'est parce que c'est l'endroit le plus chaud au Québec. On est situé environ une heure sud-ouest de Montréal, tout près de la frontière américaine. Et quand on dit attitude, nous, on est dans le sud du Québec, le plus chaud du Québec. Les fermes sont prospères, tout va bien, on est dans le sud. Dès qu'on traverse cette ligne-là, qui est la ligne vers les États-Unis, avec l'État de New York, tout change en attitude. Eux, c'est « On est dans le nord du New York. Qui veut vivre et produire dans le nord du New York? Personne! » C'est ridicule. Alors, le changement, c'est qu'on voit des fermes qui arrachent, qui ont de la difficulté. Et nous, on dit « Pourquoi que ça arrive? Ils sont encore au sud de nous. » C'est une question d'attitude. Donc, attention à quelle attitude vous prenez, parce que ça peut déterminer beaucoup de choses. Et la ferme, c'est juste le petit lopin-là, 5 hectares. Ça, c'est pris il y a quelques années. On a une extraction de sable et gravier sur deux côtés, avec les loisirs d'un côté, les champs de maïs. Et vous voyez peut-être dans les champs de maïs des petits points. Ça, c'est... Nous, c'est assez commun d'avoir des gens qui viennent dans les champs de maïs le soir. Ils abattent le maïs et ils plantent d'autres plantes à l'intérieur. C'est pas du maïs qu'ils plantent. Alors, on le voit à partir des satellites. Donc, j'ai dit, oui, il y en a pas mal. Il y en a moins maintenant, heureusement. Heureusement qu'on fait pas de maïs. Et ils n'arrachent pas des arbres pour mettre leur culture, heureusement. Bref historique. On a acheté le verger en 92. Il était déjà âgé de 12 ans. Il y avait 4000 pommiers nains, M26 sur 5 hectares. Donc, c'était plein de pommiers, juste des pommiers et rien que des pommiers. Donner l'exemple comment la biodiversité peut changer des choses. Dès qu'on est arrivé le premier printemps, on commençait à installer des nichoirs. On a installé un ici, j'ai descendu l'échelle, arrivé sur l'autre rangée, j'étais juste en train de poser le nichoir, ça faisait pas 2 minutes que j'avais descendu ici. Il y avait 2 oiseaux qui se sont posés, un sur le dessus, puis un à l'entrée. « Hé chérie, comment tu trouves ça? C'est-tu beau? C'est-tu correct? Oui, pendu! » Il dit « Oh, aïe, aïe! »
il y avait un besoin énorme. Tout le site, tous les environs, c'était fantastique. Mais il n'y avait pas de site pour nicher. En écologie, on appelle ça le facteur limitant. C'est ça qui limitait, c'est ça qui empêchait qu'il n'y avait pas assez d'oiseaux. Je suis content qu'Evelyne ait commencé à en installer. Et comme je l'ai dit, nous, on est rendu à 30 par hectare et c'est pas assez. On va aller à 60 par hectare l'an prochain. On peut attirer beaucoup d'oiseaux. Un verger, c'est traditionnellement un lieu très riche. Mais un verger diversifié, c'est encore beaucoup plus riche. Et on vous allez en voir. Après ça, on a fait une transition biologique pendant 3 ans, certifié biologique. Et depuis, on n'est pas certifié, mais on suit les standards biologiques. Pour vous donner une idée de la replantation, de recommencer, on a eu un déclin d'énergie, le verger commençait à descendre. Jusqu'à temps que Jean-François, un de mes étudiants, a commencé la pépinière chez nous en 2002. Il était là aussi en 2003, ça allait bien. À l'automne, on était prêt de planter, on avait tous les arbres. Et on s'est dit, bon, on va planter au printemps. Mais tous les arbres dans la pépinière se sont fait manger. OK, c'est pas intéressant, mais ça arrive. On a recommencé, les arbres étaient prêts 2 ans après. Et ils ont tous été mangés. On a recommencé, et heureusement, cette fois-là, on avait appris quelques leçons. C'est qu'il faut protéger les jeunes arbres, au moins avec des gardes. Et on peut aussi piéger et utiliser... c'était la seule fois qu'on a utilisé un poison, c'était pour mettre dans la pépinière. Parce que quand on a une couverture de neige, les prédateurs n'ont plus vraiment accès aux mulots qui courent en dessous. Donc finalement, en 2006, on a arraché la majorité du verger. On a reconçu 2007, on a replanté 2008-2009, un demi-hectare par année. C'est drôle de voir le verger si vide. Mais il a beaucoup changé avec le temps. Je suis content de voir tout ce monde-là ici parce que moi, ma mission personnelle, c'est qu'il y ait 1000 hectares établis par 1000 personnes dans 50 pays. Je pense qu'avec juste vous, je suis sûr que le pays de la France va être inclus là-dedans. Mais c'est vraiment d'utiliser cette idée-là, ces idées-là, parce qu'il y a quand même plusieurs idées qui vont là-dedans, pour établir ça, pour que... Je ne veux pas que les gens ils viennent de France ou d'ailleurs pour voir chez nous. Je dirais pas non, mais l'idée, c'est qu'il devrait y avoir des exemples dans leur département, c'est ça que vous appelez? Oui, dans leur département, hein, que Garonne soit... Et plusieurs exemples. Ça serait l'idéal et c'est ça que je vise à aider. Et c'est pour ça que moi, je suis ici. Quelques constats, quelques observations. Le premier, c'est que la nature est très bien conçue. On ne peut pas vraiment améliorer ce que la nature a fait. Il faut s'en inspirer et elle a passé l'épreuve du temps. Donc, le temps, c'est important. Si ça a fonctionné dans le passé, ça a fonctionné longtemps. On peut s'en inspirer et donc on peut copier la nature. Vous voyez 7 ans après ce que ça fait chez nous? Ça pousse. Même si on est au Québec. Non, c'est pas chez nous. Mais l'idée, c'est qu'on peut regarder ce que la nature a fait et copier. C'est pas mauvais. Peut-être qui a déjà été... enseigner que c'est pas bien de copier à l'école. Personne. On vous enseigne à copier en France? Non, OK. C'était-tu bon de copier? Non, c'était pas bon de copier. OK. Mais moi, je vous dis, c'est bon de copier. Si on copie, pas juste bon de copier, mais bien copier la nature. Il faut savoir bien regarder ce qu'elle fait, regarder comment c'est arrangé, regarder comment le système est agencé et essayer de faire la même chose. Parce que si ça marche dans la nature, pourquoi ça ne marcherait pas chez vous? Ce qu'on vit présentement avec ce que les vergers ressemblent, si je vous dis un verger,
Vous allez dire, un verger de quoi? De pommes? Mais c'est un verger avec des pommes. Si c'est un verger de pêche, il y a des pêches. Mais ça, c'est juste un bref laps. C'est une aberration historique. Et dans le livre d'Evelyne, j'ai vraiment aimé son chapitre sur des exemples traditionnels qui existaient. Elle a recensé des modèles et des exemples qui ont existé ici pour montrer que les plantations étaient diversifiées. Et l'autre constat, c'est que tuer, ce n'est pas la solution. Tuer, ça veut dire que souvent en agriculture, on cherche à éliminer quelque chose qui nous dérange. Mais on tue le 1%, on vise le 1% plutôt, mais on tue le 99% qu'on ne visait pas aussi. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont tellement spécifiques qu'ils vont juste atteindre. Ça, c'est bien. Souvent, c'est en agriculture biologique qu'on réussit à le faire. Et l'autre, c'est que la population demande mieux. Est-ce qu'il y en a ici qui aiment moins manger des fruits qui ont été pulvérisés avec des pesticides? Il y en a quelques-uns. OK. Des fois, on le sait plus, on le sait moins. Si vous saviez combien c'était pulvérisé, il y en a qui arrêteraient complètement de manger. Au début, j'ai mangé une pomme que j'ai achetée à l'épicerie, c'était juste celle qu'il y avait en main. Elle n'était même pas bio. Chez nous, ça veut dire entre 25 et 35 pulvérisations qu'elle aurait eues. Non, c'est pas si grave que ça. Ben, on ne sait pas. Est-ce qu'on veut être un cochon d'Inde? Un petit peu. C'est pour ça qu'on a un système immunitaire, on a des systèmes qui nous filtrent les polluants. Il est temps de retourner vers un modèle qui est plus harmonieux avec la nature. Est-ce que c'est l'idéal? Pas du tout. Est-ce que je fais ce qui est le mieux? Pas du tout. Mais je m'en vais simplement dans une direction. Et je ne suis pas tout seul. Il y a d'autres exemples qui commencent à être établis ou ils sont établis déjà. Il y en a un peu à travers le monde et j'aurais pu ajouter parce que j'ai rencontré quand même des situations avec des beaux projets ici en France et en Suisse. Donc, si ce modèle-là est dans votre futur, vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne place? Est-ce qu'il y en a que ça commence à être engourdi? Je pense qu'il y en a qui sont dehors que vous... Je vous demanderais peut-être juste de vous lever 30 secondes et y a-t-il quelqu'un qui pourrait diriger un petit peu les gens qui sont assis à la porte? Il y a encore quelques places ici le long. Il y en a ici. Il y en a ici en avant. Il y a quand même de la place. Je ne vous mordrai pas. Si vous êtes si proche. Levez-vous, 30 secondes, 10 secondes au moins. Ben, même, je vais vous pousser un peu plus loin. Je sais que vous êtes français, donc vous n'êtes pas rigide. Vous aimez la joie de vivre. Hein? C'est ce qu'on dit, les Français, c'est la joie de vivre. Est-ce qu'il y en a qui savent c'est quoi la vague? Bon, on va faire la vague pendant que les autres se placent. Prêt? Vous allez suivre. Ça va être la crête de la vague. Prêt? Il y en a qui le font trop vite. Là. Suivez la crête. Prêt? Ça, c'est mieux. Et là, on va faire une étape de plus. C'est quand la vague passe, elle descend. Donc, vous vous asseyez. Prêt? Vous voyez, continuez. Bon, déjà mieux. Là, on va le faire d'assis, levé, puis assis. Prêt? On va le pratiquer tout à l'heure, parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai vu dans les parties de foot. La permaculture, c'est une discipline de design. La conception, concevoir un système, puis c'est axé sur des solutions positives. Comment est-ce qu'un verger permaculturel est différent? Je vais vous le dire.
Premièrement, c'est différent par la conception, par le design. C'est conçu pour être une polyculture. Quelqu'un pourrait nous dire, c'est quoi une polyculture? Différent, plusieurs, poly, ça veut dire plusieurs cultures. Donc, c'est plusieurs cultures dans un même espace. Combien de cultures dans cet espace-là? Je vous taquine pas. Si quelqu'un qui est producteur de céréales ou de maïs, là, sentez-vous pas visé. C'est juste. Et je suis étonné, vos champs sont tellement petits, des petits champs ici, même les cultures de maïs, c'est des petits champs ici. Chez nous, le producteur de grandes céréales moyen, c'est autour de entre 300 et 400 hectares. Mon voisin, lui, en fait 600. Il y en a qui en font pas mal plus. Et ils se plaignent tout le temps que on est tellement des petits producteurs ici au Québec. Si vous allez voir dans l'ouest du Canada, on compte les fermes, c'est pas par hectare, c'est par kilomètre carré. Ils ont 1, 2, 3, 5 kilomètres carrés qu'ils cultivent. Plus 10 000, 20 000. Puis eux disent, ah, mais nous, on est quand même des petits producteurs. On fait juste 3 000 hectares. Vous devriez aller voir dans les montagnes, les ranchs, où ils font l'élevage de bovins. Là, ils ont des grandes superficies. Là, c'est 10, 20, 30, 50 000 hectares. Là, ça, c'est des grandes fermes. Donc, le Canada, c'est grand. S'il y en a qui sont tannés de la France et on a plusieurs agriculteurs qui viennent s'installer, vous êtes bienvenus. Il y a toujours des fermes à vendre au Québec. Pas comme ici. Ici, c'est assez restreint de pouvoir acheter une terre. Donc, il y a de la place pour vous. Et vous avez même le choix de choisir dans les meilleures terres. Restez dans le sud. Le prix de nos terres, c'est autour de 25 000 $ l'hectare. Alors, ça, c'est dans le sud, dans les... Ça, c'est le prix moyen même pour des terres à maïs. Le design. Un des clés, c'est que ça vous donne des solutions qui font partie du design. Les solutions font partie du design du verger. C'est-à-dire que si on solutionne un problème et qu'on l'intègre à même le design du verger, une fois qu'il est solutionné, ça veut dire quoi, solution? C'est résolu, c'est fait. Alors, l'idée, c'est de mettre ces solutions-là dès le début dans le design. Parce qu'ils durent à long terme aussi. C'est différent par la biodiversité. Et c'est vraiment différent par les alliés. Moi, j'aime les alliés. Je suis biologiste à la base. Et c'est ça qui m'a vraiment intéressé vers la nature. Mais j'ai réalisé que ça commence à ressembler à ce que je visais au début. Parce que les oiseaux, ils font une grosse partie du travail. Ensuite, à la deuxième moitié de la saison, ces bestioles-là. Et nous, ça, c'est à peu près... Oui, c'est à peu près pleine grandeur pour nos guêpes. Vous savez, tout est plus grand au Canada. Alors, les guêpes, s'il y en a trois, les enfants, attention, parce qu'ils les élèvent puis les emmènent au nid. Non, pas plus en plus. N'ayez pas si peur que ça du Canada. C'est pas si dangereux. Non, ils sont pas si gros. Mais les guêpes, c'est ce qu'on appelle les prédateurs apex. Apex, c'est-à-dire c'est ceux qui sont à la pointe. Un prédateur apex dans la savane de l'Afrique serait quoi? Les lions. C'est eux qui dominent. Il n'y a pas d'autres prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs qui leur font peur d'habitude. Et dans le monde des insectes, c'est les guêpes qui font peur à tout le monde. Alors, c'est très utile. Est-ce qu'il y en a qui sont dérangés par les guêpes ici? Non. OK. Oui? Habituez-vous. Parce qu'on veut avoir des guêpes dans un verger comme ça. Ils font un travail très important. Aussi, on a un allié qui sont les plantes.
dans le cas des plantes fixatrices d'azote, qui, eux, fertilisent le sol. Il y a des arbres, oui, vous connaissez peut-être le trèfle et la luzerne, mais il y a des arbres et des arbustes qui font le même genre de travail. Ils nodulent, certains ne nodulent pas, mais ils fixent l'azote. Très utile. Et ensuite, même pour la tonte, on utilise des animaux parfois, pas tout le temps, mais ça, c'est bien aussi. C'est différent en remplaçant les intrants par de l'information. Il faut savoir qu'est-ce qui fonctionne, comment ça fonctionne. Donc, ça prend de l'information au lieu des intrants. Et la beauté de cette chose-là, c'est que l'information, parfois, on la fait et on le change une fois dans la vie complète du verger, tandis que des intrants, c'est une fois, deux fois, plusieurs fois par saison. Monsieur, c'est quoi des intrants? Des intrants, ajouter du compost, ajouter du 20-20-20 ou du NPK ou pulvériser de la bouillie de quelque chose. C'est des intrants, des choses qu'on ajoute pour résoudre un problème. C'est différent en travaillant avec la nature et non contre elle. On installe des mangeoires. On déplace les mangeoires à tous les 2-3 semaines dans le verger l'hiver. Pourquoi? Parce que les oiseaux qui mangent les graines, ils font aussi la patrouille pour les insectes qui sont cachés. Alors, si un oiseau prend une graine, il s'envole, d'habitude pas plus que 30 mètres, et il cherche, il regarde, y a-tu un petit raccoin ici? Oui, il y en a un juste là. Et j'ai vu plusieurs fois l'oiseau qui cherchait à le mettre là. Hop! Tout d'un coup, il laisse tomber la graine. Pourquoi tu laisses tomber la graine? Ah, parce que, justement, il sort, hop, une chenille ou une coquille de chenille qui avait hiverné, qui a essayé d'hiverner dans cette petite crevasse-là. Alors, la chenille, elle est très bien meilleure, plus riche. Il mange la chenille, quand il a fini, il descend à terre, il va chercher la graine et il la remet où la chenille était. Donc, en déplaçant les mangeoires, on fait un rayon d'à peu près 30 mètres par 30 mètres où c'est vraiment bien patrouillé. Après 2 semaines, je suis assez confiant qu'il ne reste pas beaucoup de nourriture cachée qui peut affecter le verger au printemps, du moins dans les chenilles. Nous, c'est différent par la mise en marché. On fait de l'autocueillette par membre. Les gens, ils paient à chaque année pour pouvoir venir à la ferme pour cueillir et ensuite ils paient par kilo selon qu'est-ce qu'ils achètent. C'est différent de la façon que les rangées sont agencées. On peut avoir plusieurs sortes, des pommes, prunes, poires, dans une même rangée. Donc, on plante tout le verger par la date de cueillette. Il faut connaître exactement c'est à quelle date que ce fruit-là est mûr. On a des merles bleus même, on a des merles aussi, des jasards, oui, des étourneaux et des moineaux. Ça, c'est gracieuseté de vous autres. Peut-être pas vous, là, mais on vous a retourné la faveur, par exemple. Je pense que vous avez des plantes. Je pense que j'ai vu du robinier. Est-ce que vous aimez ça? Oui, on peut vous envoyer d'autres sortes de plantes ou d'animaux. Le castor, on vous a envoyé le castor, même si vous en avez un.
gracieuseté. Oui, il y avait des castors, et il y en a encore aussi, mais le castor du Canada est un petit peu plus agressif, je pense, envers le... Autre question? Oui. Oui, la question, le fait de faire venir des oiseaux, est-ce qu'ils ne détruisent pas trop de la culture? Ils en détruisent une partie, pas tous, quelques-uns. Moi, je tolère jusqu'à 10 %. Si je perds 10 % de ma récolte certaines années aux oiseaux, je regarde ça comme leur salaire. Parce qu'ils ont quand même fait autre chose que juste venir et manger des fruits. Oui, mais je pense qu'ils viennent juste pour manger. Il faut les regarder faire, comme l'étourneau est un de ceux qui mange le plus des fruits. Il les pique. Des fois, il ne les mange pas au complet, mais il les pique. Des fois, ce n'est même pas gaspillé, parce qu'on peut quand même le récolter, le transformer. Mais en général, ils ont fait un très, très bon travail contre les insectes qui sont dans le sol. Toutes nous, c'est des hannetons qui mangent des racines. Ils ont dévoré beaucoup d'hannetons. Alors, c'est très bien, ça me plaît, leur travail est apprécié. Et s'ils mangent des fruits après, c'est leur salaire. Oui? Est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'aimerais passer au filet par grêle? Non. Est-ce que j'en ai besoin? Si j'ai eu une grêle en 20 ans, moi, je pense que ça ne vaut pas l'investissement chez moi. Mais il faut évaluer chaque situation. Il faut aussi évaluer, est-ce que vous avez plus de grêle qu'avant? Ça serait une statistique à regarder, parce que moi, je présume, avec tout ce qui est arrivé, là, vos paysages sont de plus en plus ouverts, dénudés. Si vous aviez beaucoup plus de haies comme il y avait avant, le vent ne travaille pas de la même façon. Les systèmes ne bougent plus de la même façon sur le paysage. Le mélange de l'air se fait mieux. Et moi, je soupçonne, mais qu'il y avait moins de grêle auparavant. C'est à valider, mais il y a eu des gros changements dans vos paysages. Oui, nous, on a quand même d'habitude des verglas plus fréquents qu'une fois dans 20 ans. Mais la raison que l'agriculteur avant nous a installé, c'est parce qu'il savait qu'on a une bande qui n'est pas grêlée très souvent. Alors, il s'est dit, c'est quand même avantageux pour des fruits d'avoir un endroit sans grêle. Comment est-ce que c'est au-delà du bio? Moi, je dis le verger permaculturel, au-delà du bio. Mais ça, c'est le verger qui était bio. On était quand même bio, un des plus gros producteurs bio au Québec. Donc, quand je regardais le verger anciennement, je voyais de l'herbe. Et là, il n'y a presque plus d'herbe parce que j'avais passé les dindes. Mais c'était de l'herbe et des pommiers. Pardon? Au milieu, c'est ce qui reste de l'herbe. Il ne reste pas beaucoup d'herbe. D'habitude, c'est vert chez nous à grandeur, mais j'ai utilisé les dindes pour essayer de contrer un peu l'herbe. Pour moi, c'était un système qui n'était pas fonctionnel. L'écosystème, c'est-à-dire toutes les mailles du système, n'étaient pas bien installées. C'est assez évident, ça reste que c'est une monoculture. Même si, peut-être pas monoculture, on cultive de l'herbe et on cultive des pommes. Mais quand j'avais des chenilles, eux, ils disaient, pour moi, ça semble être une monoculture, parce qu'ils partaient à un bout de la rangée et ils avançaient comme une armée jusqu'à l'autre bout. Ils faisaient 110 arbres et ils me laissaient à peu près la moitié de l'arbre en feuilles. Ça, j'ai dit, c'est pas mal une monoculture. Je pense que vous êtes d'accord. Donc, j'ai essayé de le diversifier. OK, c'est trop simple, c'est trop une monoculture. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on peut ajouter des moutons. Et c'était vraiment plaisant. J'aime bien les moutons, j'aime les animaux.
Puis ils ont fait une première passe assez vite, c'est qu'ils ont dit, « Ah, ben regarde ça, il y a des feuilles. » Alors, ils ont aéré le verger pour moi. Ils ont simplifié le verger. J'ai perdu un niveau ou deux niveaux de branches où il y avait des feuilles. Et après, ils ont passé 4 ou 5 fois cet été à travers tout le verger. On les pâturait par rotation. Ils étaient là une journée à deux journées. Ensuite, on les déplaçait. Et donc, après 5 fois de passer à tout manger les feuilles, les branches qui étaient en dessous de ce niveau-là étaient finies. S'il y en a qui font la pomme, surtout, ça c'est pour la pomme bio, ça fonctionne quand même bien de mettre des moutons. Ils ont réduit énormément les insectes et ils ont réduit les maladies. Donc c'était positif. J'ai bien aimé voir les moutons. Et ils nous font des dépôts en plus. C'est-à-dire qu'ils passent et c'est un peu comme un convoyeur. Ça rentre, ça se promène, puis ça sort. Et j'ai jamais eu l'herbe aussi belle que ces années-là parce qu'elle était fertilisée et recyclée souvent. Donc, la monoculture à grande échelle, ça, c'est pas un écosystème qui est fonctionnel. Et si ça fonctionne si bien au côté financier, bien, pourquoi des stabilisations, des subventions et toutes les autres choses qui en découlent parfois? Alors, essayez d'avoir un focus qui reste quand même à regarder ce qui est positif. Nous, on a du sable. Et ce n'est pas n'importe quel sable, c'est comme du sable de plage. Alors, notre site était très approprié pour les cerises. On aurait dû changer à dominance de cerises dans notre plantation. On ne l'a pas fait. Mais on a quand même ajouté, et c'est vraiment intéressant d'avoir des cerises. Faites ce que vous pouvez. Vous expliquez les détails. Le premier détail important à comprendre, c'est que le verger n'est plus planté. Ça, c'est un restant d'un des pommiers du verger qui était là. On ne plante pas pom-pom-pom-pom-pom-pom-pom, parce que ça, c'est comme celui qui joue de la drum et ensuite, ils s'en vont pom-pom-pom-pom-pom, puis ils tombent. Alors, on évite de faire toujours la même chose. On planifie par trois. On appelle ça des trios. J'ai gardé le mot anglais parce que le N, ça symbolise le symbole de l'azote. Le A, en anglais, c'est apple, pomme. Et le P, c'est, dans notre cas, c'est poire ou pêche. On alterne ces trois-là. Ils continuent par trio, par 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Un fixateur d'azote et deux fruitiers. Et le fruitier qui est ici, le premier A de apple, pomme, c'est un autre du deuxième et parfois c'est un autre du troisième, ainsi de suite. Et on peut le répéter, A1, A1, A2, A3. Si vous êtes dans un terrain, un plus petit, dans votre cour, je vous recommande d'essayer de faire jusque-là. Essayez d'avoir deux trios, N, donc fixateur d'azote, pomme. Vous faites des pêches ici? Oui, faites des pêches. Et dépêchez-vous. Donc, faites deux fruitiers puis un fixateur d'azote et ayez deux variations. Donc, votre première pêche ne serait pas pareille que la deuxième pêche parce qu'il y a une meilleure pollinisation, mais c'est le point de départ. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez voir qu'il y a une diversité, que ça aide. Et vous allez commencer à être excité et vouloir déménager au Canada parce qu'il y a des terres agricoles à vendre. Oui. Ce n'est pas important quel espacement. Chez nous, on est sur du sable, le sol est pauvre. On utilise 2,5 mètres entre les arbres par 4 mètres entre les rangées. Mais selon ce que vous mettez, on met des arbres qui sont sur porte-greffe nain, on peut les mettre plus serrés. Donc, il faut ajuster selon qu'est-ce qui est utilisé dans votre région pour les cultures que vous visez. Oui? Les fixateurs d'azote, oui? J'arrive. Vous êtes devant moi. Je vais aller un peu plus vite. Alors, ça, c'est tiré du film.
qui est là, je vous suggère de le retrouver. Ils en ont là-bas, on a quelques-uns ici. Mais ça vous donne l'idée comment est-ce que le fixateur d'azote, lui, il fixe l'azote et Starbla, ce côté-là, il l'utilise. Ce côté-là, c'est Starbla qui l'utilise. Et là, vous ne voyez pas, mais entre les rangées, c'est la même chose. Le fixateur d'azote, dans l'autre rangée, il n'est pas en ligne avec un autre fixateur d'azote. Ils sont décalés, il va être en ligne avec un fruitier. Donc, il partage de tous les côtés. Et la nature est vraiment pleine de volonté de partager. C'est vraiment bien fait. Qu'est-ce que j'ai dit au début, là, vers le début? On peut faire quoi avec la nature? On peut la copier. C'est bon de copier. Rappelez-vous, c'est bon de copier si tu sais qu'est-ce que tu copies. Qu'est-ce qu'on utilise? Ça, c'est quelques-uns, mais j'avoue que vous êtes choyés dans votre sélection de fixateurs d'azote. Nous, c'est un peu limité, mais vous en avez beaucoup plus que ce qu'on peut faire. On utilise beaucoup de fèviers, et j'étais assez étonné, même consterné de voir des fèviers comme arbres de rue qui ont les épines. Je dis, aïe, 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 aïe. Pourquoi vous mettez des arbres de rue avec des épines? Ils font faire des clous, ce n'est pas des épines, c'est des clous. Il y a des fixateurs d'azote dans les fèviers qui n'ont même pas d'épines. C'est ceux-là qu'on utilise. Et vous n'avez pas besoin d'acheter un arbre greffé pour ça, parce qu'il se multiplie par graines. J'ai des graines de ces arbres-là, et c'est tout simplement de multiplier cette graine-là, et on obtient entre 95 et 98 % de jeunes arbres qui ont sans épines. Les 2 ou 3, 4, 5 qui peuvent être sur 100 avec épines, vous les arrachez. On utilise le robinier que vous connaissez, qui est un très bon fixateur d'azote, meilleur que le févier. On utilise un éléagnus. Il y aurait aussi l'aulne que vous avez, que vous pourriez utiliser. Et il y en a d'autres. Les arbustes, caragana, argousier, chalef. Vous avez d'autres espèces. On a un peu fait la gamme pendant le voyage, mais vous en avez d'autres. Mais le but de cet agencement-là en trio, c'est de jamais avoir deux fruits de la même espèce qui se touchent. Pour moi, maintenant, c'est comme, mais c'est évident. Mais quand tout ce qu'on voit autour, c'est pas juste deux qui se touchent, et même pas juste deux rangées, mais c'est toute la même chose, vous allez vous sentir un petit peu brusqué d'essayer de changer cette approche-là, parce que qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Mélanger les arbres fruitiers ensemble? J'espère que vous brusquez un peu ceux autour de vous, parce que c'est tellement plus logique. Quand vous allez dans la nature, des fois j'ai vu ici, c'est pas tout à fait, c'est plus naturel, mais c'est tout planté. Et quand on plante, on pense qu'on va mettre même des arbres, on va mettre tous des arbres de forêt, toutes la même espèce. Ça reste une monoculture forestière. Ça, ce n'est pas vraiment copier ce que la nature fait. Donc, on a des choses à apprendre. Donc, ici, vous voyez les prunes à côté des pommes. Ça peut être des pommes à côté des poires ou même des prunes à côté des poires, selon ce que vous avez. Et ce pomme-pomme est brisé dans la rangée et entre les rangées. Les pommiers, pas juste qu'ils ne se touchent plus dans la rangée, ils ne se touchent plus entre les rangées parce qu'ils sont décalés. Juste ce changement-là des trios, je présume qu'il donne entre 60 et 80 %. Il va rester aux chercheurs dans les institutions de valider si c'est correct, mais j'ai vu beaucoup de bénéfices juste à faire ça. Peux-tu avoir deux personnes ici? Voulez-vous venir? Juste pour bien comprendre. Monter ici, je veux juste vous montrer en gros. Oui, parfait, oui. Bon, parce qu'on va être deux hommes, une dame, elle va être la fixatrice d'azote. Vous voyez, on est tous humains, mais on est tous différents. La même chose dans les arbres. Alors, ça, vous comprenez, vous l'avez vu, c'est simple. Mais il y a aussi l'idée que les trios, c'est pas juste comme ça. C'est aussi, voulez-vous vous installer juste ici, en bas?
Oui, en bas. Alors, on a aussi les trios comme ça. Alors, ils ne sont pas juste étalés en large, mais aussi en hauteur. Et on pourrait mettre plus que trois niveaux, mais on a commencé simple. On a gardé ça simple avec trois niveaux. Est-ce que vous voyez ça, trois niveaux? Merci beaucoup. Alors, c'est assez simple. Et qu'est-ce qu'on utilise pour les autres niveaux? Les arbustes. Donc, on a l'arbre, ensuite on descend pour les arbustes, cassis. Ça, c'est les termes qu'on utilise au Québec. Vous, c'est pas la même chose. Gadelier rouge, c'est groseillier. Groseillier qu'on utilise, nous, c'est groseillier à macro. Camerisier, vous ne connaissez pas tellement ça, mais c'est le lonicera qui est comestible vraiment bien. La myrtille, c'est notre bleuet. Très, très bon aussi. Framboise. Attendez, là, j'ai dit arbuste. Vous connaissez cette plante-là? C'est-tu un arbuste? Ah, OK, c'est pas un arbuste. Mais ça remplit le même volume. Moi, j'y vais par volume. Et j'ai appris que dans votre région, assez surprenant, qu'il y a des arbustes que nous, oublions ça, que c'est un arbuste. La sauge, arbuste. La sauge, c'est une petite plante là, qui pousse, là, elle gèle jusqu'à terre à chaque année, puis elle revient. Mais nous, c'est ça, la sauge. Vous, c'est un arbuste. Alors, vous, il y a même des plantes qui sont sauge. C'est quoi l'autre? Romarin. Ça, c'est des arbustes. Bien, parfait. Mettez-les au pied de vos arbres. Vous avez plus de diversité et ils sont très utiles et ils vous donnent des récoltes. Donc, ça, c'est les groseilles, les amélanchiers. On utilise l'espèce qui est Alnifolia parce qu'il est un arbuste. Les autres, c'est vraiment des petits arbres. Et quelques framboises. En passant, si vous voulez goûter à un fruit, vous ne goûtez jamais un fruit comme ça. Un fruit, puis vous le... Surtout pas dans les petits fruits. J'aimerais ça qu'il soit si gros que ça. Mais goûtez jamais à ça un à la fois. On ne peut jamais avoir le plein goût. Il faut prendre un demi du casseau, remplir la main... Et comme on dit en québécois, il faut se bourrer la face. Oh! Alors, c'est comme ça qu'on essaie, on goûte aux fruits. Donc, le camerisier, je ne me suis jamais bourré la face encore avec ça. Je n'ai jamais goûté à pleine poignée. Donc, on attend encore pour dire si on aime vraiment ça ou non. Ensuite, l'autre niveau, arbre, arbuste. Il y a deux arbustes entre les deux qui sont petits. Et il y a toutes les vivaces, les aliacées, les herbacées, et que nous, c'est des herbes, vous, c'est des arbustes, et des légumes vivaces. Et combien qu'on en met? Je vous suggère de commencer avec 16 par arbre. Ça veut dire que si vous mettez chez vous deux trios, c'est combien d'arbres? 6 arbres, ça veut dire combien d'arbustes? Au moins 6 arbustes. Ça peut être 4 fois plus, vous pouvez en mettre 24. Et vous mettez des plantes en dessous qui vont 16 fois 6. Merci, 96. Quelqu'un qui étudie en mathématiques ou est en commerce. Alors, c'est beaucoup de plantes. Quand vous sortez d'ici, essayez au moins de ne pas faire un avalanche pour les gens qui ont les arbres à vendre, mais prenez-vous une sélection. Et dans les plus petites plantes, est-ce que c'est vendu les petites plantes ici? Oui? Bon, bien, prenez tout ce qu'ils ont. Videz-les aujourd'hui, parce que vous voyez que juste pour deux trios, 96 plantes, ça vous en prend. Alors, commencez votre collection. Dans 96 plantes, vous avez la possibilité au moins de mettre 48 sortes. Je ne vous suggère pas de mettre un de quelque chose, mettez-en toujours deux pour qu'il y ait une meilleure pollinisation. Et si quelque chose arrive à l'un, vous avez quand même l'autre. Est-ce que vous réalisez combien que ça prend de plantes pour couvrir 2 hectares? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plantes. Alors, le travail pour établir ce modèle-là, c'est tout au début. Ça prend beaucoup de plantes pour l'établir au début. Mais après ça, quand les plantes grandissent,
il mature, ça devient de plus en plus facile. Mais le gros du travail est au début. Les vignes qu'on utilise, c'est le raisin et le kiwi, on les fait grimper dans les fixateurs d'azote. Kiwi, il nous reste à les planter, mais c'est ça qui est prévu. Je dirais pas jamais. La question était, j'apporte rien au pied des arbres. Ça fait juste 7 ans, on n'a rien apporté. Mais je dirais pas qu'il n'y a pas d'apport. Parce qu'il y a les feuilles des arbres, des arbustes, de toutes les plantes. Tous les tiges qui sont produites de toutes les plantes en dessous. Quand vous voyez ça. Alors, toutes ces tiges-là, de toutes les plantes, quand ils meurent, ça fait des tiges, ça fait du volume de matière, et on tond quand même quelques fois dans l'année, et tout ce qu'on tond, on l'envoie ici. Il y a un apport de matière, c'est pas négligeable. Il y a du plastique. Vous voyez du plastique? Ah, OK, ça, le plastique. Oui, on utilise du plastique. Ça va pas tellement avec la permaculture, le plastique, je pense. Mais c'est parce qu'on... Nous, c'est juste le côté pragmatique. Pour couvrir juste un demi-hectare-là, ça nous a pris 100 mètres cubes. Alors, 100 mètres cubes, un, il faut le trouver, et deux, il faut l'étendre. D'habitude, les projets que j'avais faits dans le passé, 100 mètres cubes, à la profondeur, à l'épaisseur que j'ai mis, je calculais que je suis bon pour 3 ans au moins avant que je sois obligé d'en remettre. Mais nous, on a utilisé des choses, on a fait un... On utilise du thé de compost pour activer le sol, pour vivre plus. Et donc, quand on a planté, on a mis ça de paillis végétal. Et au mois de novembre, quand on a planté, on a mis le paillis. Et rendu au mois de mai, on cherchait le paillis. Là, c'était... Attends une minute, là. C'est supposé durer 3 ans. Et là, on regarde... Et il faut dire, en cette période-là, entre novembre et mai, c'était presque toute la saison couverte de neige. Alors, sous la neige, tous les champignons, les bactéries travaillaient à tout manger, la matière qu'on avait mise. On s'est retrouvé au mois de juin à chercher où sont nos arbres. Alors, ça, c'est pas une façon idéale de planter un verger, d'essayer de trouver les arbres dans l'herbe. Les arbres étaient à cette hauteur-là pour la plupart. Et l'herbe était à cette hauteur-là. Alors, on était confrontés, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre le verger si on ne fait pas quelque chose. Et après avoir pelleté 100 mètres cubes, on était un peu moins enthousiastes de recommencer dans la même année de nouveau. Donc, on est allé vers un plastique et ça tombait pour être vraiment la meilleure solution qu'on a pu trouver. Pour nous, pour l'échelle qu'on fait. Si vous faites ça chez vous, s'il vous plaît, trouvez le BRF, le bois raméal fragmenté qui se trouve par les îles Lagares. Appliquez ça, vous pouvez prendre le temps de bien le placer. C'est le meilleur produit que vous pouvez mettre. Mais nous, on est en campagne, il n'y a pas des lagares qui... Tout le monde qui coupe, soit qu'il jette dans le bois ou il brûle... Il n'y a pas de matière. On a importé ça de Montréal pour mettre la première fois. Alors, ce n'est pas l'objectif non plus d'importer du matériel de loin pour faire cette chose-là. C'était tout simplement du côté pragmatique, mais ça finit par être une très bonne solution. En passant, est-ce qu'il y en a qui font de la vigne ici? Personne ne fait de la vigne ici? Qui? Deux, trois? Bon, je ne veux pas dire producteur nécessairement de vignes, mais au moins quelques vignes, plants de vignes chez vous. Ah, OK, là, il y en a plus. Bon, je pensais que les Français savent c'est quoi faire de la vigne. Moi, je ne connais pas ça, la vigne, mais il reste que la vigne qu'on peut produire chez nous, qui peut tolérer moins 36, moins 37, il y en existe. J'étais étonné de voir
dans les montagnes, les gens me disaient, bien là, ici, ça, c'est la limite. Là. Vous voyez, là, il y a des vignobles jusque-là, mais il n'y a pas aucune vigne qui est produite passé ce point-là. J'ai dit, bien, pourquoi? Ah, ben, parce qu'il ne fonctionnerait pas plus haut que ça, c'est trop froid. Trop froid? J'ai dit, trop froid pour ces cultivars-là, j'avoue. Mais j'ai dit, il y a quand même beaucoup d'autres vignes. Au Québec, on n'enterre plus les vignes. Ils sont faits à plein champ. Ils tolèrent des moins 20, moins 30, moins 35. Ils survivent, ils produisent. Alors, dire qu'il n'y a pas de vignes, oui, il y en a des vignes qui tolèrent. Si vous êtes dans le haut de la montagne, trouvez des vignes qui vont fonctionner au Québec et vous allez être bien content. Une attitude, nous, c'était de juste le faire. Commençons, faisons-le. Première petite pépinière, on a commencé dans une serre 2,5 m par 2,5 m. Avez-vous ça de place chez vous? Qui aurait 2,5 m par 2,5 m pour un endroit un petit peu ensoleillé? Et dans ça, on pouvait faire 2000 plants en caissette par batch, trois fois par été, 6000 plants. C'est une façon de commencer. La même chose dans la pépinière. Là, ici, achetez-vous les arbres, ils sont déjà toutes faites. Mais si vous voulez vous en faire pour une plus grande échelle, 23 mètres par 9 mètres, c'est l'espace que ça prend pour faire 1000 arbres. Et oui, c'est là qu'on a commencé l'idée de mettre le plastique. Ça fonctionnait tellement bien. On posait le plastique, on plantait les arbres et on mettait du BRF. On désherbait une fois dans l'été et c'était fini. Est-ce qu'il y en a qui aiment désherber ici? Oui? Est-ce que vous venez au Canada l'année prochaine? Oui? Ah, bien, on pourrait vous trouver du travail. On n'en a pas beaucoup, mais on a un peu de désherbage à faire. Avez-vous déjà passé dans un supermarché? Non? Une épicerie? Nous, on appelle les épiceries. Ça et ça. Ça ressemble un petit peu. Alors, l'idée, c'est quand on va à l'épicerie, on achète une de ceux-là ou trois de ceux-là, deux de ceux-là, un de ça, un de ça. Pourquoi qu'on ne fait pas ça en verger ou dans votre jardin? C'est plaisant, vous marchez, vous cueillez ça, vous prenez votre panier, deux de ci, trois de ça pour le dessert, ça c'est pour le repas, et vous continuez. Alors, l'idée, ce n'est pas d'avoir la même chose, mais d'alterner les trios avec les arbres. Donc, on appelle ça le concept des allées d'épicerie, c'est surtout parce qu'on plante par date de cueillette. Alors, si on passe dans une allée, j'aime ça. Avant, les gens, quand ils achetaient, ils achetaient que de la pomme. Et ils disaient, « Bon, on a tous nos pommes. Qu'est-ce que vous avez d'autre? » « Ouh, j'ai pas rien d'autre. » J'ai réalisé, « Ouh, il est temps de mettre d'autres choses parce que les gens ont fait tout l'effort de se déplacer puis là, il n'y a plus rien d'autre. » Et même des concombres. Non, c'est pas des concombres, j'ai entendu dire. Pour vous, c'est des concombres, hein? Nous, on raccourcit ça, c'est des cocombres. Mais vous, c'est des concombres. Alors, les concombres, chez nous, ils poussent dans les arbres, les fixateurs d'azote. Et on ne gaspille pas l'espace entre les allées, on élève des poulets, des canards, des oies, des dindes. Ils aiment l'herbe énormément et on les élève dans des cages comme ça, qu'on déplace à travers le verger. Ici, ils sont en train et ils sont en train de fertiliser. On voit une parcelle ici où ils ont été probablement une journée et demie. Donc, après une journée, il est temps de les déplacer et donc ils mangent. C'est un autre convoyeur. Je vous ai dit, le mouton, c'est un convoyeur. Bien, la poule aussi, il mange et il fertilise. Merci. Oui, le mouton, c'était dans le verger biologique. On a des moutons encore, mais ils sont encore dans le vieux verger biologique qui reste. Les moutons ici, on les passe, on peut juste les passer tôt au printemps avant que les premières plantes se mettent. Chez nous, les premières qui sortent, c'est exceptionnellement fin mars, début avril. On voit un petit peu de verdure, vraiment des bulbes.
Il n'y a pas rien avant ça. Et d'habitude, c'est fin avril ou mi-avril. Mais chez nous, vous, ça, le printemps, c'est quoi? C'est des journées, des semaines, des mois. Nous, c'est 3 jours. La neige fond. 2, 3. Pouf! Ça part. C'est beaucoup plus compact. Les saisons sont... Il ne faut pas le manquer. Si vous allez en vacances, vous revenez et trop tard. Printemps est passé. Vous donnez une idée des avantages. Qu'est-ce que ça peut être comme avantage? Je peux comparer le verger biologique que j'avais en fonction de ce que j'ai maintenant. Vous n'avez pas ces bestioles-là. Nous, c'était le plus grand fléau, c'était les chenilles. Quand le printemps arrive, les chenilles sont tous synchronisées pour commencer à manger des feuilles 3 jours après que la neige fond, à peu près. Dès que les premières feuilles se mettent à éclore, les premiers œufs de chenilles éclosent, et là, ça commence. Et c'est pas long que nous, ça, c'est à peu près les plus dévastateurs parce qu'ils se tiennent en groupe, entre 150 et 250 chenilles dans une tente. Et quand ils sont rendus pleine grandeur, ils sont environ 4 cm et ils mangent beaucoup, surtout s'il y en a autour de 200 dans un arbre et il y a 2 ou 3 nids dans un arbre. Alors, quand ils mangeaient auparavant, le pire année que j'ai vue, c'était sur 3000 arbres qui me restaient, 3000 pommiers. Ils avaient mangé 1000 pommiers, moitié de toutes les feuilles dans ces arbres-là. Et ça, c'était triste. Parce que quand on réalise que quand ils ont mangé cette quantité de feuilles-là, cette année-là, ça ne produit pas grand-chose. Il n'y a plus d'énergie qui est captée. Et l'année d'après, ça ne produit pas grand-chose. Et ces chenilles-là, ils ont des cycles de tous les 4 ans. Donc, 2 ans à se remettre, 2 ans à produire un petit peu, puis ensuite 2 ans de chenilles. Donc, l'arbre est comme continuellement stressé par ces chenilles-là. C'était un vrai fléau. Et le plus grand avantage du verger, c'est que les chenilles, je suis content d'en voir maintenant. Mais ça semble drôle de dire... C'est quoi le plus gros fléau? C'est les campagnols? Qu'est-ce qui affecte le plus vos arbres fruitiers? Les pucerons. Mais imaginez, juste imaginez, qu'est-ce que ça serait de marcher dans votre verger ou dans votre cour et d'être excité de trouver un puceron? Parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu ou vous en voyez tellement peu que, oh, regarde, il y a des pucerons. Eh bien, pour moi, c'est ça qui est arrivé avec les chenilles. Quand j'en vois maintenant, c'est, des chenilles! Alors, je mets une petite étiquette pour savoir où étaient les chenilles pour que je puisse revenir et regarder qui les a mangées. Parce que c'est toujours dans moins de 4 jours, mais je retourne 4 jours après, et si je ne vois plus aucune chenille, je sais que c'était les oiseaux, parce qu'eux, ils les prennent, et ils les emmènent au nid. Sinon, c'était des grosses guêpes qui les ont enlevées ou des guêpes prédatrices. Et ça, c'est le plus... Ça serait quoi le mot? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu les films avec les comment ils appellent ça? Les momies? Non. Zombies, oui. On a des chenilles zombies après. C'est-à-dire qu'ils vivent, mais on voit qu'ils sont... Il y a quelque chose qui n'est pas correct. C'est parce qu'il y a des guêpes qui pondent des œufs sur la chenille. L'œuf éclos, la larve de la guêpe rentre à l'intérieur de la chenille, se met à toute la dévorer de l'intérieur sans jamais toucher la colonne vertébrale ou la corde vertébrale parce qu'elle n'a pas une colonne. Et les mange au complet. Et la dernière chose que la chenille fait avant d'être complètement paralysée, c'est qu'elle s'agrippe après une feuille ou une branche. Et elle fige là, ensuite, là où les guêpes sortent. Et ils sortent comme des adultes, ils s'en vont trouver d'autres chenilles. Alors, on voit des carcasses, des zombies ou
des carcasses de chenilles qui sont complètement vides. Là, on sent qu'il n'y a plus rien là. Et ça, c'est vraiment beau à voir. Parce que je sais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire avant. Alors, de savoir que le contrôle se fait complètement, ce qui était pour moi les pires fléaux, c'est rendu aucun fléau du tout. Pour vous, ça pourrait être... On a même pas de pucerons. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas vu, on peut en voir, mais de voir moindrement une infestation de pucerons. D'ailleurs, souvent, le puceron, c'est un indicateur d'une surfertilisation, d'un excès de fertilité. Pour nous, ça indique ça tout de suite. L'autre avantage, c'est que c'est moins de travail. Je vous ai dit, désherber, on n'est pas trop friand de désherber, mais on en fait à chaque année, par demi-hectare, c'est 6 heures. 6 heures. Donc, d'habitude, à deux, on fait une ronde de 3 heures de désherbage pour le bloc. Et quand on désherbe maintenant, on ne désherbe jamais à enlever une plante, simplement. Ça, c'est gaspiller du travail, parce que si vous l'enlevez, vous créez un endroit qui était propice, qui avait une plante qui a poussé là. Et qu'est-ce que vous pensez qui va arriver après que vous désherbez? Il va y avoir une autre ou des autres plantes qui vont s'installer. Donc, quand on sort une plante, on prend ce qu'on a pour planter et on plante. Souvent, c'est avec des bulbes, ça va bien. On met la bulbe dans le trou et ça va être cette plante-là qui va pousser. Donc, on a désherbé une fois et on n'a plus jamais besoin de revenir. Bien, moi, je suis paresseux, j'aime ça. L'idée du nap, N-A-P, en anglais, nap, ça veut dire la sieste. Alors, si on a bien fait notre travail, ça nous donne du temps pour prendre la sieste. J'imagine qu'il n'y a personne ici qui fait des siestes, mais moi, j'aime ça de temps en temps. L'autre avantage, c'est que notre saison de récolte a beaucoup allongé. Ça, c'est la première récolte qu'on a du printemps, les chatons de saule. Et les gens aiment bien acheter ça. Au Québec, il faut comprendre qu'on a vécu avec 3, 4, 5 mois de neige. Quand on voit quelque chose vivant, on saute dessus quasiment. Alors, les pépinières se font envahir au mois de mai, complètement envahir. Il y a deux fins de semaine au mois de mai qui sont d'habitude 80 % du chiffre d'affaires pour l'année. C'est parce que, autant que vous voyez de monde ici, ça serait ça, une pépinière au printemps. Tout le monde sort de partout et veulent quelque chose de vivant. Alors, notre saison de récolte, avant, pour la pomme, c'était début août à mi-octobre, avec 12 cultivars. Maintenant, on commence au mois d'avril et ça s'échelonne jusqu'au mois de novembre. Plus de plaisir en ayant plus de vie et de biodiversité, on a plus de production totale. Ça ne veut pas dire qu'on a plus de pommes, parce qu'on a beaucoup moins de pommiers. Mais on a plus de production en tout. Ça, c'est juste au mois de septembre. Donc, on a les fruits, quelques légumes. On a aussi une saison au mois de juillet avec les petits fruits. On a une récolte du mois de mai avec des légumes vivaces, ainsi de suite. Donc, en tout, on produit plus sur l'espace. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a plus de ventes impulsives. Vous connaissez ça, les ventes impulsives? Les magasins sont tous axés vers des ventes impulsives. On rentre pour une chose. Vous, quand vous allez, disons, vous allez pour la baguette. L'achat compulsif. Bon. Impulsif, compulsif. C'est la même idée, non? L'achat d'impulsion, ça dépend d'où vous venez. Vous ne venez pas de la même région que monsieur. Alors, selon d'où vous venez, au Québec, on appelle ça des achats impulsifs. Peu importe comment vous l'appelez, l'idée, c'est quand vous êtes là pour une chose, ah, tiens, il y a ça. Alors, vous l'achetez. Mais dans le verger, ce n'est pas des achats de grignotes, si ça, salé. Non, les achats impulsifs, c'est qu'on est venu pour de la pomme. Ah! Il y a de la prune. Là, les gens, ils goûtent. Oh là là, oh ben là, un panier, ça sera passé.
va chercher un autre panier parce qu'on va en ramener. Alors, les achats impulsifs en fruits ou en légumes ou en fleurs ou en fines herbes, c'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Quand les gens, ils achètent quelque chose qui est santé, qui va leur faire du bien, c'est vraiment bien. Les inconvénients, et il y en a beaucoup. Le plus gros, c'est qu'on se fait saigner à blanc. Quand j'ai dit qu'on copie la nature, on copie le modèle de la forêt. Au Québec, on apprend assez vite qu'on ne va pas en forêt au mois de mai ou juin. Si on va, on est mieux d'avoir un filet complet. Sinon, on est mieux de ne pas avoir donné du sang avant d'aller dans la forêt parce qu'on va en donner en masse. Alors, s'il y en a qui ne sont jamais allés, vous avez peut-être, comprenez pas à quel point il peut y avoir de la moustique. Mais au mois de juillet-août, c'est merveilleux. On est là tout le temps en canot, en camping au mois de juillet-août. C'est merveilleux, c'est passé la saison des moustiques et des mouches noires. Mais dans le verger, ils se sont installés. Et maintenant, ça nous coupe les heures de travail parce qu'on ne peut pas rentrer là le soir pour faire quoi que ce soit, à moins d'avoir un filet. Au mois de mai, juin, oublions ça. Et même Olivier, à l'arrière, il était étonné, moi aussi, l'an passé, quand on a tourné le film au mois d'octobre. Vous allez voir dans le film, je suis en train de parler, puis c'est comme ça des fois, parce qu'il y avait de la moustique au mois d'octobre, ce qui est assez inhabituel, mais il faisait beau, il faisait chaud, donc les moustiques sont sortis. D'habitude, il n'y en a pas si longtemps que ça. Et heureusement qu'on a de la neige, ça les couche à terre. L'autre désavantage ou inconvénient, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus de formats, de contenants. Avant, on avait juste besoin des caisses de pommes ou des bines. Maintenant, on a besoin de plus de formats. J'ai tiré l'idée d'inconvénient pour celle-là un petit peu. Et on a besoin de chariots plus grands. Parce que avant, quand les gens ils venaient pour de la pomme, il y avait besoin d'un plus petit chariot. Maintenant, oh, ils sont là pour la pomme, mais oh, oh, vous avez ci, oh, vous avez ça, ah, oh, oh, oh. Et donc, la quantité que les gens achètent augmente d'année en année. La gestion est plus complexe, ça c'est vrai. Gérer 1,5 hectare en verger permaculturel, c'est plus compliqué que gérer la même surface juste en pommes bio. Mais ce n'est pas non plaisant. Et l'autre inconvénient, c'est qu'on a trop de pollinisation. Et ça, c'est un inconvénient parce qu'on a des années qui tombent en alternance. On a des grosses, grosses années et on a des années qu'on a rien, comme cette année. On n'avait pas de fruits dans les arbres. On a eu tellement de fruits l'an passé que les arbres ont dit, là, attends une minute, là, une année, oui, deux années comme ça. Écoute, l'an passé, là, je t'ai donné la récolte 2013, 2014, puis une partie de 2015. Et donc, 2014, on prend ça. Ah, mais quand les gens ils viennent et disent, bon, on a entendu, vous avez beaucoup de fruits. Oui, on avait beaucoup de fruits. Alors, c'est un inconvénient. Il faut faire une taille plus difficile. Les gens en Suisse, ils me suggéraient bien, enlève les abeilles à miel. Vous n'avez pas besoin. On a tellement d'abeilles indigènes installées qu'on n'a plus besoin d'abeilles à miel. Mais j'aime mes abeilles. J'aime les abeilles. Les abeilles m'aiment. On s'entend bien. Et ça, c'était le plus grand essaim que j'avais jamais vu. C'est quand on a brassé, on fait juste mettre une boîte en dessous et on a secoué la branche. Quand les abeilles ont tombé, ils ont presque rempli au complet la boîte de ruche. Juste d'abeilles. Il n'y avait rien d'autre. Tout de suite, on a mis deux autres boîtes par-dessus et ils ont fait beaucoup de production et ont multiplié les ruches aussi. Mais on a eu des hauts et des bas au Canada parce qu'on est vraiment dans une zone maïs. Je ne dirais pas que c'est juste à cause de ça, peut-être, mais nos abeilles à miel souffrent énormément d'une allée à l'autre. On monte les ruches, puis ensuite, pouf, l'hiver, ils redescendent. J'aimerais ça que ça soit résolu, parce que je suis tanné de construire des colonies, puis ensuite les faire retomber.
L'autre chose, c'est qu'on a des très bons intrants, comme le kaolin, qui est une glaise, qu'on ne peut plus utiliser, pas parce que c'est toxique, parce qu'on peut le manger, c'est dans beaucoup d'ingrédients de consommation, mais parce que si on pulvérise ça pour la pomme ou la poire ou la prune, puis pendant la fin de semaine, les gens viennent pour cueillir de la ciboulette, ils prennent des tiges de ciboulette. Qu'est-ce que c'est ça, tous ces points-là? Alors, c'est pas tellement intéressant. Donc, ça réduit ce qu'on peut utiliser. Prêt pour une vague? Non, hein? C'est ça. Vous êtes. J'ai trop attendu. Là, vous êtes un peu trop endormi. Prêt? Oh, bien, ça, c'est pas la version française du foot. Allez, là, dans le stade, tout le monde se lève. Allez-y. Il faut s'asseoir tout de suite. Vous êtes rouillé un petit peu. Prêt? Oh! OK. On arrive à la fin. Donc, on a dû apprendre beaucoup de choses sur plusieurs domaines, mais ça a valu la peine. On a appris des leçons, on a appris à se connaître. Moi, j'ai appris, je le savais que j'aimais les animaux et je savais pas à quel point ils m'aimaient aussi. Saint-François de quoi, là? Non. Oui, mais ils aiment ça d'être assis sur nous aussi. J'aime bien parler aux gens, j'aime bien partager des connaissances, c'est très plaisant. Par des cours, des conférences, des formations. On donne un cours de 3 jours sur comment établir une forêt nourricière où on pousse beaucoup plus approfondi tous les aspects reliés. Et on fait des maquettes. On ne travaille pas avec des plans. J'ai trouvé que des plans, ça fait peur aux gens. Travailler avec une maquette, c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne dit pas on travaille avec la maquette, on dit on joue avec la maquette. Et c'est vraiment bien. J'aime aussi innover, d'essayer de trouver des choses des autres façons. J'espère dans quelques années, ça va être fonctionnel à 100% et vous allez utiliser ça dans votre terre, ceux qui ont des pelouses, là, vous pourriez utiliser ça puis vous débarrasser de la tondeuse parce que vous mettez quelques lapins là-dedans et les lapins vous tondent la pelouse et ils avancent la cage tout seul. Alors, l'idée de mettre des lapins qui avancent la cage. Ah, il est rendu au bout de la rangée. Il faut la tourner pour qu'elle revienne. Ah, bien, c'est quand même pas si plaisant. Je l'ai essayé chez moi, pas ce modèle-là, le modèle avant. Et on avait un lapin et trois, quatre cochons d'Inde. Et on n'a jamais eu de la belle pelouse comme ça. Parce que c'est un quoi? Un convoyeur, c'est-à-dire que les lapins, ils mangent et ça passe au travers puis ça sort. Donc, l'herbe est tondue et fertilisée. C'est vraiment un beau système. Comment vous appelez ça? Autre mot pour pelouse, ça serait quoi? Gazon ou ça commence avec H? Herbe, OK. Y a-t-il des animaux qui commencent comme groupe qu'on appelle, qui commence avec H? Herbivore! Ah! Ça veut dire que la nature a déjà conçu des tondeuses naturelles. Si on a quelque chose qui pousse, qu'on appelle de l'herbe, bien, il y a des animaux ici qui viennent puis ils disent, ah, de l'herbe, tiens, moi je suis, comment? Herbivore! Ça veut dire que j'aime manger cette herbe-là. Mais pourquoi qu'on a mis une affaire à moteur qui fait du bruit, qui pollue, quand il y a des herbivores qui vont faire ça avec plaisir? Nous, vous, mais peut-être parce que vous avez plus de plaisir que les herbivores à manger, à tondre que les herbivores auraient du plaisir à manger l'herbe. Mais il faut y penser. L'autre, on venait tout juste de finir ça avant qu'on s'en vienne ici. C'est un biotope. L'idée, c'est qu'un petit édifice qui ne coûte pas tant que ça, entre 1 000 et 2 000 euros,
tout complété, va être le lieu de résidence pour au moins 20 espèces de faune, en termes d'oiseaux, d'insectes, de mammifères, de serpents, de couleuvres. Non, nous, on n'a pas de serpents, on a des couleuvres. Mais c'est vraiment plaisant d'avoir toutes ces espèces-là dans le verger. On a développé un piège aussi pour la mouche de la pomme, qui est pour nous un insecte qui nous cause des problèmes. Vous, on a entendu que vous avez quelque chose comme Suzuki, c'est ça? Oui, ce piège-là ferait la même chose. Il faut savoir qu'est-ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez peut-être l'élevage d'animaux ou juste d'avoir des animaux? C'est-tu de faire des légumes, des fruits, des fleurs? Ou est-ce que peut-être c'est concevoir ces systèmes-là? Il faut savoir ce que vous aimez. Ça me dérange de voir des gens qui font ce qu'ils n'aiment pas faire. Moi, ça, si vous faites quelque chose, puis vous dites, mais ouais, ça c'est mon travail. Mais quand j'arrive chez moi, là, j'aime tellement ça, faire le jardinage. Pourquoi une telle... Ah, bien, parce que c'est ça. Ah, OK. Ben, je suggère. Ben, moi, pour la plupart, j'ai un peu plus d'années que vous. Et je peux vous dire que les années, ça va vite. Hein, ça va assez vite. Et donc, si vous vous retrouvez... 10 ans, on dit 10 ans, wow, 20 ans, 30 ans, puis là, hop, on a fini de travailler. Moi, j'ai vu mon père qui me disait, oui, quand je serai à la retraite, il est mort à 62 ans. J'ai dit, ouais, OK, est-ce que moi, je vais prendre ce même chemin-là de travailler dans quelque chose que j'aime pas, puis je vais me dire, quand je serai à la retraite, non, mais c'est un choix. Je vous laisse avec l'idée du choix. Pour nous, le futur, c'est éventuellement d'atteindre 4 hectares en verger. On n'est pas rendu là. Plus de viande produite à l'herbe, remplir les vides, plus de biotopes, créer un édifice bioclimatique et plus de formation de tours, d'ateliers, de stagiaires. S'il y en a qui veulent embarquer un peu dans cette folie-là, parce que pour le moment, on dirait que c'est encore une folie. Comment je peux vous aider? Bien, absolument, essayez d'aller voir ces 3 vidéos-là. Et le vidéaste qui est à l'arrière, vous pourriez lui parler. C'est un génie pour comment monter des films et des vidéos. Et ça donne une très belle image de qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on le fait. S'il y en a qui sont sur ces affaires-là de médias sociaux, vous pouvez aller me joindre. Si jamais vous passez au Québec, premier samedi de chaque mois, on est ouvert pour des tours. Stagiaires, il y en a très peu qui réussissent à devenir stagiaires, mais on a ça aussi, ceux qui sont vraiment prêts à embarquer dans un projet. On accepte quelques stagiaires par année, mais on a toujours 10 fois plus de gens qui veulent qu'on peut accepter. Sinon, c'est un cours. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés par un cours l'an prochain? Je reviens déjà, ça je le sais. À peu près vers ce temps-ci de l'année. Est-ce qu'on pourrait voir? Oui, quelques-uns. Peut-être on pourrait faire une feuille à la fin pour prendre vos mails pour que vous soyez mis au courant de la date et le lieu exact. Mais ça, c'est une bonne façon d'approfondir les connaissances dans ce domaine-là. Vous établissez, c'est chez quelqu'un d'habitude, et on établit au moins 2 trios pour que vous voyez tout le procédé et comprendre comment ça fonctionne. Et je vous dirais d'acheter le film, si ça vous intéresse, ça donne tous les détails. Il était dans, je pense, la serre 2, ceux qui cherchent. On a quelques-uns à la fin ici. J'espère que je ne vous ai pas trop grugé dans le temps, mais... Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine, cette aventure-là, parce que de pouvoir marcher dans votre propre petit jardin d'Éden, là, c'est vraiment plaisant.
il faut le vivre pour le comprendre, mais vous pourriez voir que la nature est très gracieuse. Elle veut nous récompenser pour nos efforts. Elle veut travailler avec nous. Je dis tout le temps, si on fait un pas vers la nature, juste un pas, la nature va en faire 10 vers vous. Le problème, c'est que trop souvent, nous, on recule d'un pas. On agresse ce que la nature essaie de faire. Et on a continuellement à se battre. C'est un changement de direction, mais il faut quasiment prendre un pas pour dire, mais je pense que la nature est bien faite. Elle essaie de nous aider, elle essaie de faire, et surtout, elle essaie de vous montrer un peu de ce que ça peut être l'abondance. Merci de vous être déplacés. Merci de venir en si grand nombre. Et prenez plein profit de la journée aujourd'hui et revenez demain. Catherine Pex va être ici demain pour montrer son excellent film. Je ne connais pas tout l'horaire, mais ça vaut vraiment la peine. Et considérez les livres qui sont là aussi, d'Evelyne, qui sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup. J'ai quelques minutes, si on laisse les gens partir un peu, j'aurai quelques minutes pour faire des questions. Est-ce qu'on a du temps, Evelyne, pour les questions? Oui, on a évidemment un peu de temps, mais pas beaucoup hein, pour les questions. Je ne sais pas ce que notre président en pense. Oui, pas de problème donc pour les questions. Alors, pour ceux qui aimeraient participer à la formation qui va être organisée l'année prochaine, nous n'avons pas de papier-crayon ici même, mais par contre, nous avons un email. Envoyez-nous vos adresses par email hein, à conservatoire@conservatoirevegetal.com et on vous répondra, on transférera à Stéphane et on vous donnera l'information. Ou sinon, vous allez au stand de librairie. Mais ne partez pas, hein, n'hésitez pas à poser des questions à Stéphane, il vous écoute et il sera ravi, je pense, de vous répondre. Peut-être qu'on peut passer un micro pour les questions, comme ça tout le monde peut entendre. Dans quelle région du Québec vous êtes? Dans quelle région? Oui. On appelle ça le Sourois, le sud-ouest du Québec. Oui? Je voulais vous demander comment vous alimentez en fruits et légumes pendant tous les mois d'hiver. Comment qu'on s'alimente en fruits et légumes pendant l'hiver? J'étais assez étonné de voir qu'il y en a qui peuvent conserver des choux ici, dehors, que vous les gardez dans le jardin. Nous, on ne peut pas garder ça dans le jardin. On coupe, on les met dans une chambre froide pour l'hiver. C'était traditionnellement ce que tout le monde faisait avec les légumes à racines, les fruits. Les pommes, ils se conservent jusqu'au mois de juin, d'habitude. Ben, allez-y. Comme vous n'avez pas du tout parlé de l'arrosage. Des pulvérisations ou des irrigations, quand vous dites arrosage? J'ai un verger que je laisse en... OK. J'ai un verger en biodiversité, mais je laisse les plantes sauvages. J'aimerais faire un peu comme vous, mettre des choses au pied des arbres, mais je n'ai pas d'arrosage. Vous n'avez pas besoin d'arrosage, vous dites? Non. C'est ça. Est-ce que ça marcherait sans arrosage? Ça dépend qu'est-ce que vous cherchez par qualité. Nous, on cherche quand même un niveau de qualité qui est, pour certains, ça serait pas assez de qualité, mais pour nous, c'est quand même très acceptable. Alors, on pulvérise quelques fois avec du lactosérum. J'étais surpris. La plupart des gens ne connaissent pas ça, mais vous connaissez ça, du fromage en France? Mais quand vous laissez le petit lait, après que vous avez pressé le fromage, on peut prendre le résidu, le petit lait, et l'utiliser 100% non dilué pour asperser sur vos fruitiers. Et quand une feuille est touchée une fois avec le lactosérum, il se peut qu'elle ait besoin d'être aspersée de nouveau la moitié de l'année plus tard, mais d'habitude, c'est bon pour la saison. Ben, nous, on dit arrosage, c'est pulvérisation, c'est non, ça? Non, mais je parle de l'eau. De l'eau? Ah! Ah, OK, c'est ça, question de terme. Nous, quand on dit arroser, c'est arroser des produits, mais pour irriguer, donc pour arroser, comme vous dites,
On irrigue, on a trois boyaux en dessous du plastique, une dans la rangée en dessous des arbres et une le long de chaque rangée de plantes qu'on met. Alors, il y a trois boyaux, mais on est dans du sable. Pour vous donner une idée, nous, quand on arrose, on peut arroser 250 litres à la minute. On accote le boyau à terre et on ne voit pas de flaque. Il n'y a aucune flaque. C'est du sable, comme de la plage. Alors, l'eau rentre tout simplement. Donc, il faut arroser à tous les jours, juste pour que tout reste humide. Est-ce que vous auriez besoin, ça dépend de votre région. Hier, on était à Avignon, on a fait un cours. Puis ici, Avignon, ici, c'est quand même à peu près la même. Même ici, ça semble plus humide qu'Avignon. Alors, on a conçu un système qui fonctionnerait sans aucun arrosage. Il est possible, il s'agit de choisir les plantes qui n'ont pas besoin du plus d'eau. C'est tout simplement, vous avez quand même quoi ici? Est-ce que vous faites de l'olive ici, l'olivier? Non? Oui? L'été, c'est sec. Mais vos fines herbes, ils n'ont pas besoin d'aucune eau. Dans les arbres, vous avez sûrement des arbres. C'était quoi ceux qui... La pêche, est-ce qu'elle a besoin de plus? Oui. La pêche, non, pas besoin d'eau. Alors, utilisez des arbres, des arbustes et des plantes qui n'ont pas besoin d'apport d'eau. Et oui, il est possible. Et surtout, si vous ajoutez un paillis pour pas que votre sol soit exposé au soleil directement, comme ce serait en forêt, où le sol est couvert ou au moins est protégé des rayons du soleil, ça aide énormément. Et vos sols sont plus denses, sont plus, ils retiennent plus d'eau que nos sols, ou de mes sols du moins. Si on a un verger déjà planté, là, est-ce qu'on peut rajouter des acacias entre pour la fixation d'azote, ou est-ce qu'il faut mettre des fèves ou des choses comme ça au pied? Il faut, moi je fais attention au faux. Ça parce serait que bien. Ça serait bien, mais si votre verger est déjà planté, j'oublierais les arbres. Mettez pas les fixateurs d'azote arbres. Vous avez plusieurs espèces arbustives qui fixent. Des petites fèves et des choses pareilles. Des légumes. Les légumes, c'est un peu moins parce qu'ils s'enracinent, d'habitude, ils ne s'enracinent pas si profond ou autant. Et qu'est-ce que vous avez comme arbuste alors? Arbuste, Eleagnus, le chalette, mais vous avez d'autres espèces. Là, je ne connais pas les genêts, les citissus, c'est ça? Citissus? Ciste? Citis. Vous en avez qui existent, que vous pouvez utiliser, qui n'ont vraiment pas besoin d'eau, là, qui poussent naturellement. J'en ai vu même du train, je voyais des fleurs jaunes. J'ai dit ça, c'est sûrement, je ne sais pas quelle plante, là, mais je voyais ça, un arbuste fleurir avec qui a des fleurs jaunes à ce temps-ci de l'année. Vous avez des plantes qu'on n'a pas, qu'on ne pourrait pas faire pousser. L'idée, c'est d'adapter le modèle à votre système pour qu'on élimine des besoins. Moi, je le fais de façon commerciale. Je fais des cultures que, pour mon sol, ne sont pas idéalement appropriées. La pomme, chez nous, elle a besoin d'un plus d'eau sur mon sol. Si j'allais à 20 km de chez nous, ils n'utilisent pas d'eau. Ils n'ont pas besoin, ils ont des sols plus francs. Et la vivace que vous parliez, donc mettre la soupe, de mettre... Voilà. Est-ce qu'il y a une association avec certains types d'arbres? Oui. Par exemple, la fraise et l'ail, des choses pareilles, quoi. Est-ce qu'il y a des vivaces qui sont plus conseillées avec certains Au début, je pensais qu'il y avait plus d'importance en termes de guilde, qu'est-ce qui s'entend bien avec l'autre. J'ai essayé, on a plus que 100 différentes vivaces autres, et je suis encore à chercher un qui a un effet négatif carrément, ou l'arbuste ou l'arbre, on voit qu'il ne pousse pas bien. Ça serait la minorité. Essayez des combinaisons et c'est vraiment de chercher est-ce qu'on va avoir un effet négatif. Parce que l'effet positif, ça peut être les insectes, ça peut être éloigner les insectes, ça peut être attirer certains bons insectes. Donc ça, vous pouvez le voir, mais des effets négatifs, c'est plus difficile, mais c'est surtout pour... Si on pourrait voir, par exemple, l'arbuste, il ne pousse pas. Il ne pousse vraiment pas s'il est associé à une autre plante. Mais c'est vraiment minime. Voulez-vous passer le... Okay.
allez-y. Oui, concernant la taille. Oui. Vous faites une taille, vous taillez ou... Moi, j'utilise le système. On était vraiment chanceux il y a quelques années d'avoir Dr. Jean-Marie Lespinasse qui est passé au Québec, qui a enseigné le système développé à l'INRA, le système MAFCOT avec la cheminée, formation des branches. C'est vraiment une façon qui a réduit énormément le travail de taille. Comparé au verger biologique, je taille 20 % de la quantité que je faisais avant. Qu'est-ce que c'est cette taille? Ce principe, qu'est-ce que c'est? Ce système? Le système, c'était... nous, on l'appelait le système MAFCOT, là, parce que c'est eux qui l'avaient développé. Oui, c'est même c'est dans le livre d'Evelyne et de Jean-Marie. C'est un très bon système qui simplifie la taille vraiment bien. Je vous le montre dans le film. Là, on fait premièrement, on crée une cheminée à l'intérieur avec un axe. Il faut avoir un axe pour l'arbre. Donc, l'arbre est conduit avec un tronc et pas 3, 4, 5 troncs. Et ensuite, on garde 12 à 14 branches sur l'arbre qu'on forme pour qu'il soit sous l'horizontale. Et après ça, on fait juste un éclaircissage de tous les bourgeons et les petites branches qui sont en dessous de la branche. C'est trois étapes. C'est tellement plus compliqué, la taille, qu'on le complique tellement plus que ce que ça doit être. Mais ce système-là est vraiment bien. Là, ça me surprendrait. Patrick? C'est-tu Patrick? C'est Patrick? Est-ce que c'est enseigné ici, des ateliers de taille? Allez les voir, les gens d'ici, là, c'est des pros dans ces domaines-là. Oui. Les gens qui ont un tablier rouge sont les bénévoles. Evelyne Leterme, qui est là-bas, peut en parler beaucoup mieux que moi, puisque c'est elle souvent qui assure ces formations-là. Evelyne, vous voulez parler des programmes en quelques mots? Il y a un autre micro là-bas. Il y a un micro juste là. Merci. Oui, depuis 35 ans maintenant, nous avons des formations qui se sont étoffées au fil des années. Donc, on a 15 formations par an qui sont maintenues sur les 5 départements. Avec quand même une majorité, la moitié se fait sur le site de Montesquieu, mais d'autres sont décentralisés sur d'autres départements. Et on commence par de la taille de printemps, la taille d'hiver même, que l'on fait entre février et mars, du greffage de printemps, puis ce que l'on appelait de la taille en verre, mais maintenant on appelle ça plutôt observation du verger, essayer de comprendre où il en est le verger, qu'est-ce qu'il nous indique. En mois de juin, mai-juin, selon les années. Et au mois d'août, on fait un stage d'écussonnage, le greffage d'été, et on conclut en septembre par mise en place du verger, avec des nouvelles techniques. Évidemment, on évolue, hein, ce qu'on disait il y a 30 ans, on ne le dit plus. Nous, on apprend à désapprendre. Donc, et on essaie aussi d'observer... et puis d'évoluer en nous-mêmes pour pouvoir être capable d'observer la nature. C'est le plus compliqué. Ce sont les idées reçues. Et donc on vous apprend aussi à sortir de vos idées reçues pour pouvoir aller facilement vers la nature. En fait, elle vient vers nous dès qu'on accepte d'aller vers elle. Mais c'est pas simple, quoi. C'est pas simple. Mais le fait d'avoir rencontré Stéphane, pour moi, ça a été une ouverture... un grand bond en avant. Voilà, et puis on met en place d'autres formations, donc avec des agriculteurs ou avec les CIVAM de différents endroits, les chambres d'agriculture à la demande. Donc j'ai récemment fait une formation sur les pré-vergers, le nouveau pré-verger, le futur pré-verger. Qu'est-ce qu'on va entendre, qu'est-ce qu'on entend comme ce que peut être le futur pré-verger. De même, les associations des arbres fruitiers avec le maraîchage. Il y a de nombreux maraîchers qui veulent pouvoir produire des arbres fruitiers. Mais comment on fait et quelles seront les techniques qui permettront de rentabiliser l'exploitation
Il n'y a pas pour le moment de choses simples, parce que rien n'est vraiment très simple. Donc on dit, ben voilà, voilà tous ceux qui produisent dans ces systèmes-là, voilà comment, où ils habitent, et voilà comment ils procèdent. Essayez de comprendre comment vous avez envie de procéder chez vous, mais sachez que il y a quand même des impondérables. Les arbres fruitiers, il leur faut ci, ça et ça. Il faut pouvoir avoir un sol aéré, beaucoup de micro-organismes, faire du vide. Ça, c'est mon gros leitmotiv. Hein. Un agriculteur, il est fait pour créer des vides, pour que les racines pénètrent, pour que les champignons, les bactéries, les vers soient dans un endroit qui leur convienne, qui soit un milieu humide, chaud. Mais un trou, nous, on ne vit pas dans les murs, on vit bien dans un trou, on vit dans le vide. Bien, tout le monde vit dans du vide, mais un vide qui convient, avec de l'air principalement. Voilà. Alors, oui, j'en reviens à des choses tellement basiques, mais qu'on n'a pas appris, hein, et donc voilà, et qui sont essentielles. Et donc voilà, nos formations, ben, elles évoluent en fonction des demandes, et on essaie d'y répondre. Est-ce que ces informations-là sont sur le site du conservatoire? Oui, vous pouvez voir apparaître les stages de formation organisés par le conservatoire, remis en début d'année ou en fin d'année, en décembre à peu près. Donc, ils vont être remis pour 2015. Ils s'éliminent, ils disparaissent au fur et à mesure qu'ils ont lieu. Mais après, donc on va remettre les pendules à l'heure, là, les compteurs à zéro, et on va remettre le programme 2015 dès qu'il sera prêt. Par contre, pour les formations spécifiques, bien, soit il faut les organiser avec des chambres d'agriculture, des CIVAM, des associations. Hein. On intervient aussi auprès des associations et on essaie de répondre à la demande. Mais là, c'est en dehors de nos formations spécifiques. Merci. Manquez pas celle pour la taille. Commencez avec celle-là. Là, c'est vraiment une des bases tellement importantes. De faire un poulailler amovible, c'est pour quelle raison? Pour une tonte plus efficace ou parce que les volailles pouvaient être un problème pour les arbres fruitiers, pour les différents arbustes, comme on a pu le voir avec les moutons? Un peu, pourquoi vous avez fait ce choix? Et voilà. Pour nous aider. Les cages mobiles, c'est tout simplement un système qui, concentre les poulets à une place où on détermine où on veut qu'ils soient. Mais c'est aussi une façon de simplement de les protéger, parce qu'ils sont quand même dans un verger. Le verger, c'est un lieu où il y a beaucoup de prédateurs qui se promènent, et lorsqu'ils sont dans la cage, ils sont protégés. On a une fois par 2 ou 3 ans un prédateur qui trouve une façon de rentrer. D'habitude, il creuse puis il rentre en dessous. Et ceux-là, on les piège. Dès qu'on sait qu'ils ont mangé des oiseaux, mais on laisse la cage là, parce que si elle est dérangée, ils ne retourneront pas, mais on laisse la cage, on met un piège ou 2 pièges, puis on capture le individu qui cause des pépins, puis on est bon pour un autre 2, 3, 4 ans avant qu'un autre individu découvre. Alors, on ne cherche pas à être systématique, on n'aime pas les renards ou on n'aime pas les ratons laveurs, ou nous, c'est la moufette qui cause souvent le problème. Même, on a des moufettes qui demeurent en dessous de la maison, là, et... c'est plus l'individu. Il y en a un qui a appris que, le poulet qui est dans la... c'est bon, ça. Ah, je vais revenir à chaque nuit jusqu'à temps que j'ai vidé cette cage-là. Alors, ceux-là, on ne veut pas qu'ils restent dans ce mode-là et on les enlève. En fait, chez nous, on a un insecte qui s'appelle l'antonome du pommier et qui reste tout l'hiver dans les haies. Et quand il vient au printemps, l'adulte vient pondre dans les boutons floraux et la fleur, elle fait comme si elle était cramée, comme si elle avait pris un coup de soleil. Et en fait, nous, on nous a justement dit que le problème, c'est que ça reste dans les haies. Moi, j'étais dégoûtée parce que je disais, c'est génial, les haies. Et je me demandais si ce problème, il n'était pas amplifié quand on fait justement des haies fruitières. Et je me demandais si vous, c'est un insecte que vous aviez rencontré ou pas. Et si jamais Evelyne Le Terme, elle avait du recul là-dessus dans nos régions où il existe, quoi. L'antonome, c'est un petit coléoptère, si je ne dis pas de bêtises. C'est pas. L'important, c'est pas de comprendre la base de chaque insecte, c'est plutôt de comprendre le principe. Quand vous dites qu'il passe l'hiver dans une haie.
c'est quoi le type de haie dans lequel il passe. Ça se peut que ce soit une haie qui est mono ou plus simplifiée. Si c'est une haie diversifiée, déjà à la base, ça devrait réduire ses chances. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Là où j'ai vu, en fait, c'est un verger où il n'y a pas que des pommiers, il y a des pommiers, il y a des pruniers. Et en effet, par contre, c'est plus une haie d'épineux, un peu mélangée quand même, quoi. Et la personne nous disait, en plus, un rayon d'action sur 70 mètres. Donc, de toute façon, il peut vraiment aller graviter et chercher, quoi. Moi, j'ai été c'est vraiment un insecte, apparemment, il n'y a pas... Enfin, nous, notre prof, il nous a dit... c'est chiant comme insecte, au sens où il vous bousille tous les boutons floraux et on n'a pas vraiment de moyen de lutte en mode biologique, bien sûr, parce que ça, c'est un insecte que les conventionnels ne connaissent pas du tout, parce qu'il est tué avec tous les produits, quoi. Les coléoptères, d'habitude, ne sont pas très aimés des oiseaux. Il y en a, mais il y en a souvent qui sont assez malplaisants aux oiseaux, donc on s'attend presque à ce que ce soit les insectes qui font le gros du travail de les contrôler. Moi, je ne vois pas, c'est un peu, j'ai appris beaucoup d'un livre qui s'appelle « Le sol et la santé », écrit par un monsieur Sir Albert Howard, écrit dans les années 1930-40. Et lui, il avait une attitude que ça m'a pris 5 ans à digérer sa phrase finalement, c'est qu'il a dit « les insectes, les maladies et les mauvaises herbes ne sont pas le problème ». Tu sais pas combien que j'ai de chenilles. Lui, il disait, c'est pas eux qui sont le problème. Il dit, on devrait plutôt les regarder comme nos professeurs. Ouais. Tu sais, moi, j'étais confronté à 1000 arbres qui se faisaient manger. J'ai dit, oui, mais... parce qu'il disait qu'ils sont des professeurs à essayer de nous indiquer que notre système, comment qu'on a notre système, il y a quelque chose qui cloche pas. Il y a quelque chose qui fonctionne pas dans notre façon de faire. Et là, je peux dire qu'effectivement, pour ce qui est des chenilles, j'ai compris que ce qui manquait, c'était la diversité, c'était d'attirer plus d'oiseaux, plus d'insectes. Et c'est vrai, c'est pas un problème. C'est pas l'insecte qui est un problème, c'était mon mode que j'utilisais pour les produire, ces fruits-là. C'était ça le problème. C'est pas facile à digérer, comme Evelyne disait. Le changement... C'est pas de changer comment le faire qui est dur, c'est de changer ici qui est long. Alors, s'il y a un insecte qu'on est confronté, et moi j'en ai encore 3 que je suis confronté, 2 dont on piège et le 3e, mais c'est un apprentissage, c'est comprendre qu'est-ce qui manque, pourquoi, et on n'a pas toutes les solutions, mais c'est en regroupant beaucoup de gens qui font, on peut trouver que, hop, c'est justement ce petit insecte-là qui est à la base. Mais rarement, c'est un prédateur qui va faire tout le travail. Ça n'existe presque pas dans la nature. C'est une combinaison de facteurs qui font qu'on a un contrôle. Quand on dit contrôle, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus. Ça veut dire qu'il est à un niveau qui est acceptable économiquement. Je n'ai pas de réponse complète, mais ce que je peux vous dire, c'est que cette année, c'était une année à Antonome, effectivement, que l'on a constaté sur notre propre verger et sur le verger de certains arboriculteurs bio. Donc, effectivement, lorsqu'on arrête les insecticides, il peut y avoir des invasions de certains insectes qui, certaines années, et ce n'est pas tous les ans, vont nous poser un problème. Alors, on s'est rendu compte que certaines variétés étaient plus sensibles que d'autres, mais qu'en général, ça se contentait de faire de l'éclaircissage. Alors, bon, on peut faire de l'éclaircissage avec autre chose qu'avec de l'antonome, certes, mais ça ne va rarement dégrader la totalité de la production d'un arbre. Et de toute façon, ça ne se reproduit pas tous les ans. Hein, on a vraiment eu une année exceptionnelle. Et bon, j'ai envie de dire au verger, ici, ce n'est pas à cause de Noé. Enfin, ce n'est pas à cause des haies sauvages, parce qu'il y en a très peu dans la région. Il y a nos haies à nous. On n'a pas été faire le contrôle, je ne me souviens pas si nous sommes allés faire le contrôle sur les attaques d'antonomes dans notre verger, dans notre haie fruitière, parce que ça ne nous a pas paru un problème fondamental. Mais on a vu quand même, hein, j'ai fait une notation qui est à
à interpréter encore. Hein, on a encore une source d'interprétation à faire. Je pense qu'effectivement, c'est un insecte qui peut poser problème dans certaines conditions et certaines années. Donc, il ne faut pas non plus se mettre complètement martel en tête. Donc, si ça devait être une source de solution, elle est à trouver. Et on va sûrement la trouver, oui. Si tous ceux qui ont resté, vous vous attendez à une réponse qui résout tous vos problèmes, je m'excuse de vous avoir donné cette impression-là. C'est vraiment pas le cas. Moi, ce que je cherche, c'est vraiment qu'il y a des gens qui font les expériences dans leur situation, dans leur sol, dans leur climat, avec leurs plantes. Et c'est vous qui allez enseigner les autres les années après, quand ils vont... Oui, on a trouvé une solution à l'antonème. Oui, on a trouvé une solution... C'est ça, souvent c'est un élément qui manque, il y a quelque chose qui manque. J'ai raté le début, mais peut-être que vous l'avez dit. Votre verger, en fait, il a quel âge? Et au bout de combien d'années il a été à maturité? Et au bout de combien de temps on peut espérer être rentable? Si on démarre de zéro, par exemple. De zéro, le verger, parce qu'on a planté année après année, le premier, celui qui est le plus vieux, il a... 2007, il vient de compléter la septième année. On peut enlever la première année parce qu'il n'y a eu aucune croissance, donc il y a 6 ans. Dans la quatrième année, il devait faire une production, sa première pleine production, qu'il n'a pas faite parce qu'on a eu un gel qui a tué toutes les fleurs. Ça a tombé à la première pleine année dans la sixième année. Cinquième année. Rentabilité, c'est difficile quand on a une année d'alternance. Cette année, on a été rentable, mais pas dû au verger seulement, mais ça a été... Parce que nous, on ne regarde pas une récolte comme juste ce qu'on obtient de l'arbre, on obtient de la ferme en tout. Alors, parce qu'on a fait quand même des tours, des formations, c'est rentable, mais ça dépend des années. L'an passé, juste la ferme, juste les productions, c'était très bien. Je dirais, vous pouvez être rentable dans la première année si vous avez une mise en marché de tonnerre, c'est-à-dire que vous êtes vraiment bon pour la mise en marché et quand vous installez, vous mettez des légumes et vous faites des animaux. Moi, je les considère des cultures annuelles. Donc, la même année que vous plantez, si vous faites concombres, tomates, piments, faites les choses faciles, que vous plantez une graine, ça devient grand. Et là, vous en vendez et vous en idéalement fournissez un marché direct et non pas des... Commencez pas à fournir des grossistes parce que c'est pas vous. Moi, ce que j'aime, c'est pouvoir dicter le prix. Si les gens n'aiment pas le prix, ils peuvent aller ailleurs, mais ils ont déjà passé 10 fermes qu'ils pouvaient cueillir avant d'arriver chez nous. Donc, à cause de je les fidélise avec le système mis en marché par membre, ils passent des places pour arriver chez nous. Ça, c'est toujours intéressant. Et j'avais une belle petite histoire. Cette année, on avait des gens qui sont venus. Ils ont dit, « Monsieur, je vois que vous vendez des œufs. » Oui. C'est combien de plus si on va ramasser les œufs nous-mêmes? Moi qui aime vendre, j'ai dit, « Pardon? » Combien de plus si on va cueillir? Ce que vous comprenez peut-être moins ici, c'est que combien sont citadins ici? Vous êtes tous de la campagne, combien seraient considérés de la ville citadins? Quelques-uns. Moi, je vous dirais, vous n'êtes pas dans la moyenne parce que vous êtes déjà très sensibilisé aux fruits et ainsi de suite. Mais en moyenne, les gens de la ville sont très déconnectés de leur nourriture. Et pour eux, ce n'est pas juste l'idée de venir chez nous et ils achètent des pommes. Ce n'est pas ça l'expérience. Ils cherchent une expérience. Ils cherchent de savoir et de voir comment les pommes, comment les cueillir. Ils veulent reconnecter et ça, ils sont prêts à payer pour. Et pour vous, il s'agit juste d'avoir une caisse suffisamment grande pour accueillir les gens qui veulent venir. Et surtout venir pour acheter une multitude de choses. Ça, c'est toujours beau de voir qu'ils ont entendu qu'on a de la pomme, ils sont venus pour la pomme. Puis là, ah, vous avez aussi des pois et des prunes.
Oh, et c'est en plus la saison des framboises d'automne. Oh, ça c'est toujours bien. Alors, possible, il reste à valider par plusieurs fermes. Moi, on a regardé l'économie cette année de qu'est-ce que c'est, comment ça peut être, pour établir le même modèle qu'on a fait de la meilleure façon qu'on connaît. On juge que ça coûterait 7 euros du mètre carré pour établir, sans compter le coût d'achat de la terre. Ça, c'est ce que ça coûterait si vous faites toute l'infrastructure de planter tous les arbres, les arbustes, les plantes en dessous. Il y a beaucoup de plantes. Et la main-d'œuvre pour l'établir. Mais que dans la sixième, septième année, vous pourriez récolter le même montant par année. Alors, vous pourriez obtenir un rendement et une culture, mais il faut l'avoir plein. Nous, il est loin d'être plein. Il y a beaucoup de vide dans notre verger encore. Donc, ça, c'est pour ça que je dis, on met l'emphase sur remplir au complet les espaces et de réduire. On a commencé avec plus de 100 plantes qu'on essaie. On ne sait pas qu'est-ce qui va bien marcher ou qu'est-ce qui va être en demande. Et là, on limite à environ 15 plantes qu'on plante en dessous des arbres, qui sont bien avec les arbres, mais surtout que les gens veulent, on a un marché pour. On a des plantes ça va nous prendre 3 ans avant qu'on produise suffisamment pour qu'on puisse approvisionner le marché qu'on cherche. Ça a-tu répondu? Parfaitement. Ma deuxième question, c'est est-ce que vous faisiez des légumes, en fait, et vous avez répondu, évidemment. Oui. Nous, on a maintenant séparé, on loue une petite parcelle sur la ferme que quelqu'un se concentre à faire les légumes. Parce qu'une fois que le verger est assez grand, on a essayé encore cette année, mais ça ne marche plus. Les légumes annuels, c'est trop ombrageux. C'est trop comme le bord de la forêt. Les légumes ne poussent pas. Ils ont besoin de soleil. Et donc, les légumes, dans ce cas-là, il faut les mettre à part. Mais on peut faire beaucoup de légumes ou de plantes qui sont vivaces. Et c'est ça, le transfert entre les 3 premières années, on peut faire. Et on a fait des bons légumes. Mais après ça, il faut transférer vers des plantes vivaces. Et ça veut dire qu'on les plante une fois, puis ils sont là pour des années. Et au niveau des autocueillettes, par les gens qui viennent et qui ramassent leurs légumes, oui. Est-ce que la plupart des gens sont des citadins? Ils n'ont peut-être pas l'habitude. Est-ce qu'il y a des problèmes au verger? Est-ce qu'ils abîment vos arbres? Voilà. Oui, ça, c'est toujours un peu la crainte que, oh, c'est des gens qui ne connaissent pas ça. L'avantage d'un système par membre, c'est que les gens y viennent, ils reviennent, d'habitude, ils reviennent année après année, mais on peut prendre le temps de leur montrer. Donc, si je regarde, il y a 3 autos qui viennent d'arriver, je leur dis, mais attendez 2 minutes là, que les autres arrivent, et quand ils arrivent, je leur explique, voici comment on fait pour cueillir une pomme. Ah, OK, c'est pas compliqué. Je leur montre, regardez, si vous tirez, vous allez briser la branche. Si vous le levez, bon, c'est comme ça qu'on le cueille. Ah, c'est pas compliqué, mais il fallait le savoir. Donc, en prenant le temps de les montrer comment, après ça, eux, ce qui est vraiment bien, c'est la deuxième année ou même la même journée que ces gens-là montrent à quelqu'un d'autre. Alors, quand eux, ils montrent à d'autres, regarde, c'est comme ça qu'on le fait, regarde, tu tires pas, tu fais ça comme ça. Ah, c'est tellement logique, mais à moins que les gens ont vu comment faire ou ont été enseignés comment faire, c'est pas long. Apprendre à bien cueillir, là, c'est 5 minutes. Après ça, si on veut cueillir tout l'arbre, bien là, c'est une autre chose parce qu'il faut comprendre comment placer l'échelle et tout le reste. Mais les gens qui viennent, ils cueillent tout le bas, nous, on cueille le haut. Alors, des fois, quand ils arrivent, le haut est déjà cueilli. On ne veut pas qu'ils risquent de monter sur les échelles. Et d'ailleurs, on les sort d'habitude là, pour pas qu'ils montent dans les échelles. J'ai-tu répondu des fois? Bonjour. Pourquoi est-ce que vous... Est-ce qu'on peut éteindre le projecteur? Pourquoi est-ce que vous avez arrêté la certification bio? Est-ce que c'était trop cher? C'était trop cher parce qu'ils avaient changé leur façon de certifier. Quand j'ai commencé, ils certifiaient la ferme au complet. Donc, peu importe, on pouvait faire 6, 7, 8 productions et la ferme était certifiée bio. Après, ils ont changé que par culture, il fallait être certifié. Alors, moi, je faisais de la pomme, je faisais des poulets, je faisais des dindes, si je faisais canard,
chacune de ceux-là demandait une certification. Mais là, j'ai dit, je fais 40 canards, là. Tu veux que je sois certifié pour 40 canards? Alors, là, j'ai dit, bon, mais là, j'ai demandé aux membres, j'ai dit, on va continuer à être certifié, mais il faut que je monte les prix pour couvrir la certification. Là, ils me répondaient, mais on n'a pas besoin, on vient voir. Alors, c'est là que j'ai réalisé que certification, c'est une méthode excellente quand vous ne faites plus affaire avec l'agriculteur. Vous n'avez aucun lien avec l'agriculteur, vous achetez quelque part d'un tierce parti. Mais en ce cas-là, la certification, c'est excellent parce que c'est une garantie que quelqu'un est passé, a regardé et vous dit « oui, c'est comme ça ». J'avoue que quelqu'un qui voulait tricher quand c'était bio, c'était tellement plus facile. Il passait une fois puis il disait que c'était toujours la chance qu'il vienne en surprise. Mais là, je peux avoir 30, 40, 70 personnes qui passent à chaque fin de semaine ou à chaque deux semaines. Les gens, ils disent, « Écoute, on voit comment tu fais, là. Il n'y a pas de surprise ici. » Alors, dans ce cas-là, la certification, c'est même pas nécessaire. Moi, si vous faites affaire directement avec les gens, demandez-leur et vous allez voir, ils vont dire, « Mais on voit, on sait, on te connaît. » Ils vont avoir confiance que ce que tu dis, c'est ce que c'est. Bonjour. Nous, on est maraîchers en permaculture sur le chemin de Gironde. Et on s'intéresse beaucoup à l'implantation d'arbres autour de nos légumes. Et on a quelques petits exemples en France, mais on voudrait savoir s'il y en a aussi sur le Québec et avoir les contacts de ces personnes-là pour échanger avec elles. J'aimerais ça vous dire qu'il y a une longue liste parce que je suis établi au Québec puis il y a beaucoup de gens qui ont copié ce qu'on fait, mais... C'est un peu le vieux dicton que le prophète n'est pas accepté dans sa patrie. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, mais il y a peu d'exemples. On discutait hier à Avignon que si vous parlez de maraîchage et arbres, alors on discutait pour les possibilités, l'orientation du verger, c'est très important. Et je demandais historiquement qu'est-ce qui était fait. Et dans le coin du sud-est, eux, c'était très important d'avoir les haies est-ouest. Anciennement, les haies et les plantations de vergers étaient est-ouest. Pourquoi? Il semblait que la raison principale, c'était à cause du mistral, qui fait que si on le fait dans l'autre sens, les arbres, ils vont sécher plus, les cultures en dessous. Alors, les arbres servent de brise-vent. Et en plus, qu'ils ont une production. Donc, il faut connaître votre situation, qu'est-ce qui fonctionne. Peut-être pour vous, c'est espacer les rangées et faire, au lieu de faire de bandes, nous, on fait de l'herbe parce que l'herbe, pour nous, c'est beaucoup plus rentable que des légumes. Parce que si on met l'herbe en animaux, la viande se vend beaucoup plus cher que des légumes. Et c'est beaucoup plus facile. On a à déplacer les animaux, mais... Comparé à tout le travail qui va à la production légumière, c'est beaucoup plus simple. Moi, j'aime simple, j'aime facile. Mais ce qui est simple, c'est de faire les légumes dans le plastique qui dure la vie du verger. Ça, c'était très beau aussi. Les trois premières années, on semait et on récoltait. Il n'y avait pas l'étape désherbage. L'irrigation était assurée. Alors, c'est pour ça, je ne suis pas plus friand que le plastique que ça. J'étais complètement contre le plastique, mais je le suis encore contre les films. Les plastiques qui se dégradent après ou pendant une saison, ça, je n'ai jamais compris. Et même, il y avait un moment donné où le côté certification, pour nous, ça, il disait, mais on demandait pour le plastique. Et il disait, bien, vous ne pourriez plus être certifié maintenant biologique. OK, pourquoi? Parce que vous avez un plastique permanent. OK, je comprends. Mais qu'est-ce qui arrivait si je posais un plastique au printemps et je l'arrachais à l'automne? Ah, bien là, parce qu'il n'est pas permanent, vous pourriez être bio. OK, attends une minute là, je veux juste comprendre ça. Si à chaque printemps, j'étends, et moi c'est 100 mètres fois
27 rangées, donc 2,7 km, c'est ça? 2,7 km de plastique à poser au printemps et à arracher à l'automne et de répéter année après année, je pourrais être certifié bio, mais parce que je l'ai fait une fois pour la vie du verger, ça, c'est pas bio. J'ai dit, j'ai de la misère avec ça. Beaucoup de misère avec ça. Mais alors, les pratiques changent et d'habitude, les cahiers de charges changent aussi. Je comprends. Comme Evelyne disait, les pratiques, que ce que j'enseignais pour la taille, là, 10 ans, c'est pas du tout ce que j'enseigne maintenant pour la taille. Alors, on apprend, ça change. Mais je vous recommande de considérer parce que ça vaut vraiment la peine de faire légumes et arbres. Parce que dans votre climat, les légumes, je pense qu'ils bénéficient l'été par un peu plus d'ombrage. Alors, vous avez déjà les arbres qui sont rentables par eux-mêmes, qui sont profitables, et de faire des légumes à côté, ça semble complètement normal. Et c'était des choses qui étaient faites par le passé. Quand je regarde le livre d'Evelyne, là, c'était fait dans le passé ici, dans la région. Alors, réinventer la roue, pourquoi? Si c'était fait, c'est parce que les gens trouvaient que pour l'effort, ça valait la peine. Et ça veut dire que, de nouveau, ça vaut la peine. Race de brebis, c'est Hind 57. C'est n'importe quoi qui... parce que ce n'était pas mes brebis, c'était un producteur qui les emmenait. Lui, il mélangeait d'habitude les béliers. Là. Mais j'avoue qu'il y avait une race que j'aimais énormément, c'était la Texel de Nouvelle-Zélande. Ça, c'était en verger, c'était vraiment bien. C'est une brebis qui était très facile, qui donnait deux agneaux par année, comme un cadran, jamais trois. La brebis faisait un agneau la première année, puis ensuite, donc j'ai dit, avoir des brebis comme ça, avoir 1000 brebis comme ça, ça serait une entreprise qui serait facile et très rentable, parce qu'il ne demandait aucun travail. Quand il naissait dans le verger au mois de mai, les jeunes, j'aime pas l'agnolage, il faut qu'il y ait de l'herbe. Quand les agneaux naissent, là, de naître en étable, là, c'est pas intéressant. Quand ils naissent directement sur l'herbe, aucun problème. J'arrivais là le matin, ah, tiens, deux petits, ah, OK, parfait. Et si c'est la façon, c'est un herbivore, alors il devrait être sur l'herbe et les petits sont habitués d'être nés sur l'herbe. C'est tellement logique, on s'éloigne tellement des choses qui sont logiques. Plus qu'on synchronise avec les saisons, ça c'est mai chez nous. Vous avez de l'herbe verte avant mai, je pense, hein? Oui. Alors, regardez, d'habitude, on dit de regarder quand les chevreuils, les cerfs ont leurs petits. Vous, ici, c'est à quel temps de l'année que les cerfs commencent à mettre bas les petits? Et copiez ce modèle-là, copiez exactement ce temps-là. Donc, vous mettez seulement le bélier cinq mois avant cette date-là. Et vos petits vont naître à cette période-là. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce qui est la race idéale. La race idéale, il y a des fois, j'ai remarqué qu'il y a moins de variations entre les races qu'à l'intérieur d'une même race. Si vous comparez une race, disons, qui a été élevée depuis 3 ou 4 ou 8 générations dans des étables versus la même race qui a été élevée depuis plusieurs générations sur l'herbe. S'ils sont sur l'herbe et ils ont démontré une capacité de grossir les agneaux sur l'herbe, c'est tout ce qu'il faut. Chercher cette génétique-là, parce que c'est ça qu'il faut vraiment viser. Là, c'était juste plus par rapport à quand on les met dans le verger, en fait. Je connais un endroit où ils ont des charmoises. C'est une race qui, elle, apparemment, ne mange pas l'écorce des arbres. Donc déjà, l'écorce, c'est... moi j'en ai eu qui ont mangé l'écorce. Ceux que j'ai présentement, ils mangent l'écorce, pour ça je les ai gardés. Pour me débarrasser des arbres qui me restent, pour pas que j'aie à... Ils vont tuer les arbres. C'est simple. Et je veux qu'ils tuent les arbres parce que je veux enlever ces arbres-là. Alors, entre-temps, eux, ils s'alimentent de manger l'écorce. Mais ça, c'est... Je peux les... C'est comme une switch. C'est une switch qu'on dit quand on allume...
on allume la lumière. On peut allumer ou fermer ce désir-là de manger l'écorce si vous leur donnez des algues marines mélangées à du sel, 50-50. Un kilo d'algues, un kilo de sel. Donnez-leur ça et ils vont, dans l'espace de 10 jours, ils vont complètement arrêter de manger l'écorce parce qu'ils ont une carence. Et en mangeant l'écorce, c'est pas l'habitude de manger l'écorce. Ce qui est le problème, c'est qu'ils ont une carence et la seule place qu'ils vont combler cette carence, c'est en mangeant l'écorce des arbres, que les arbres sont capables de prendre plus profond que ce que l'herbe est capable de prendre. Donc, les arbres ont ces éléments-là et l'herbe ne l'a pas. Alors, quand vous donnez des herbes, des algues marines, ils vont manger ça. Et je vous mets d'avis, parce que quand vous commencez à leur donner ça, ils vont manger ça comme si c'était une moulée. 3-4 jours, ils vont dévorer ça comme si ils n'ont jamais vu ça. Parce qu'ils ont tellement soif et faim de cet élément-là qu'ils vont en manger presque comme si vous donniez une moulée. C'est-tu moulée qu'on dit? Non. Des grains. Une ration de grains. Alors, donnez-leur ça. J'ai vu des maladies des moutons complètement disparaître. Les problèmes de yeux, les problèmes de mise bas. Tout a disparu quand ils ont été absolument comblés. C'est pas les éléments principaux qui est l'important, c'est les oligo-éléments qui sont tous. Il y a 80 éléments dans les algues marines. Ils sont tous là. Ça peut être le molybdénum, le fer, l'iode, le manganèse. Tout est là parce que c'est tout dans la mer. En passant, saviez-vous que les éléments qui sont dans la mer, c'est les mêmes éléments qu'on a dans le sang? C'est tout dans la bonne proportion. La nature est vraiment bien faite. C'est tout? Bien, merci beaucoup d'être venu, puis j'espère que ça vous a donné quelques idées.